Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander de bien reprendre vos places ou de prendre vos places pour débuter cette table ronde. Alors, avant de commencer, je voudrais saluer une délégation de fonctionnaires de la Chambre des députés du Grand-Duché du Luxembourg qui est ici présente et qui assiste à la table ronde. Donc, mes chers collègues, j'ai le plaisir d'accueillir en notre nom à tous, une table ronde sur la création cinématographique. Monsieur Olivier Hénard, directeur général délégué du Centre national du cinéma et de l'image animée, et monsieur Lionel Bertinet, directeur du cinéma. Monsieur Pascal Rogard, président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Monsieur Jolivet, vice-président de la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs. Madame Lucie Gire, déléguée générale, et Madame Joyce Dardan, déléguée générale adjointe. Monsieur Marc Missonnier, président de l'Union des producteurs du cinéma, et Madame Valérie Lépine-Carnic, déléguée générale. Monsieur Vincent Gérard, directeur des chaînes cinéma du groupe Canal+, et Madame Amélie Ménard, directrice des affaires publiques, et Monsieur Manuel Alduit, directeur du cinéma à France Télévisions. Nos échanges se dérouleront de la manière suivante. J'inviterai successivement chacun des responsables concernés à exposer sa position sur la thématique de la création cinématographique. Afin de favoriser les échanges avec les députés présents, je demande à chaque intervenant de bien vouloir limiter son propos liminaire à 5 minutes maximum. Je donnerai ensuite la parole aux orateurs des groupes. Nos invités répondront à cette première série de questions. À l'issue de cette première séquence, les autres collègues qui le souhaitent auront chacun une minute pour poser leurs questions auxquelles les personnes auditionnées pourront répondre par la suite. Nous souhaitions cet après-midi rassembler des représentants des auteurs et des producteurs et des diffuseurs aux côtés du CNC. Plusieurs sujets vous préoccupent, animent parfois vos relations professionnelles, mais vous contribuez tous à l'excellence de la création cinématographique française et à son rayonnement. Je ne souhaite pas monopoliser la parole, mais j'ai pour ma part trois sujets sur lesquels je voudrais vous entendre. Pensez-vous tout d'abord que le régime des aides du CNC doit être réformé pour gagner en lisibilité et en efficacité, alors que la Cour des comptes recommande de procéder à une revue générale des soutiens afin de mettre en œuvre une réforme approfondie des aides? Considérez-vous que la chronologie des médias est favorable au développement de la création cinématographique française? Et faut-il mieux protéger nos actifs culturels, stratégiques et notamment nos sociétés de production et nos catalogues d'œuvres? Si oui, quel type d'instruments vous paraissent-ils devoir être mis en place? Je vais maintenant, après ces trois questions, céder la parole à nos invités et je vais reprendre l'ordre dont j'ai présenté nos invités, tout d'abord par M. Olivier Hénard. Merci Madame la Présidente. Alors, s'agissant du CNC, donc de l'État, en réalité c'est plus un éclairage, un cadrage du débat que je vous propose qu'une position, hein, par définition. Alors, donc de ce point de vue-là, la reprise après l'été 2023 nous offre un tableau qui incite plutôt à l'optimisme concernant le cinéma français. Ça a déjà été dit, la fréquentation en salle retrouve à peu près ces niveaux d'avant-crise. On est à moins de 10% de baisse par rapport au niveau des années 2010 qui eux-mêmes se situaient sur un plateau historique. Donc on espère au moins 180 millions d'entrées en salle de cinéma cette année. Et ce qui est encore plus réjouissant, c'est que le niveau de ces entrées en salle ne s'explique pas, contrairement à ce qu'on peut lire dans les journaux mal informés, exclusivement par le succès du cinéma américain, mais en réalité parce que le cinéma français, lui, a retrouvé ses chiffres d'avant-crise. Donc le cinéma français aujourd'hui fait 100% de son score d'avant-crise. C'est le cinéma américain qui est plutôt en retrait par rapport à ses scores traditionnels. Et de ce point de vue-là, on se félicite que la grève ait cessé de l'autre côté de l'Atlantique, puisque nous aimons le cinéma américain, qui, bien entendu, est le financeur
enfin un des grands financeurs de l'exception culturelle à la française. Donc on ne souhaite pas, contrairement à ce que j'ai pu lire quelque part, que le cinéma américain s'éclipse des salles françaises. Au contraire, en réalité, notre équilibre, l'équilibre de notre financement est fondé aussi sur le succès du cinéma américain. Comme le cinéma français est fort, il n'a pas à avoir peur des grandes autres cinématographies. Alors, ce tableau relativement positif, il vaut également pour la production. Parce que c'est vrai que quand on se penche sur les résultats du premier semestre 2023, on s'aperçoit que le montant des investissements dans les films français progresse de façon très substantielle, plus 15%, que le devis moyen de ces films progresse de presque 10%. Donc, ça n'est pas une inflation de films mal financés, mais c'est des films mieux financés. Le nombre de jours de tournage augmente également. Et ça concerne particulièrement le budget de ce qu'on appelle les films du milieu, c'est-à-dire les films entre 4 et 7 millions de budget. Ceux-là, leur financement s'accroît de 36%. Donc vraiment deux raisons de se féliciter. Et enfin, ce qui est à l'intérieur du cinéma français également satisfaisant, c'est que ce succès ne repose pas sur un nombre limité de films. Ce à quoi on assiste, en réalité, c'est au succès, évidemment, de quelques locomotives que tout le monde connaît, Astérix, Obélix, Les Trois Mousquetaires, etc., mais aussi de très belles réussites du cinéma d'auteur, François Ozon, Jeanne Herry, Mathieu Vadepied, Justine Trier, tout ça au-dessus du million de spectateurs, Pierre Jolivet ici présent, hein, si je ne m'abuse, qui tutoie les 400 000 spectateurs, Quentin Dupieux, 400 000. Donc, en réalité, c'est un succès vraiment solide, parce qu'il est construit également sur la diversité. Et je ne parle pas des succès récents du cinéma français dans les festivals internationaux. Ça a bien été souligné par la presse. Alors, pour autant, malgré ces succès, c'est peut-être un petit peu le paradoxe, il est vrai que la politique qui a été menée par l'État à travers le CNC, vous l'avez dit, et sous le feu de quelques, je dirais pas critiques, mais enfin de quelques interrogations qui ont tout l'intérêt d'être contradictoires entre elles. Hein. Puisque, d'abord, il est vrai que le premier procès qui est dressé, enfin un procès très modérément, c'est celui de la surproduction, c'est-à-dire que notre système de soutien conduirait à produire trop de films qui ne trouvent pas leur public. Donc ça, factuellement, c'est inexact. Alors, d'abord pour deux raisons. Bon, d'abord parce que le CNC ne peut pas tout sur la production cinématographique. Je veux dire, sur le marché des salles françaises, on a d'abord des films étrangers. Alors, nous n'avons pas encore le pouvoir d'autoriser ou d'interdire la sortie des films étrangers en salle de cinéma française. Et par ailleurs, il y a des films qui sont français, mais entièrement en dehors de l'écosystème du CNC, ce qu'on appelle les films sauvages, donc qui ne viennent pas aux aides publiques. Donc en réalité, la politique du CNC, elle se développe à l'égard d'à peu près 200 films français qui sortent chaque année, donc 200 films. Or, sur ces 200 films qui sont concernés par notre système de soutien, la part de films qui ne rencontrent pas leur public, on va dire les films qui trouvent moins de 10 000 spectateurs en salle, en réalité, elle est parfaitement stable dans le temps long. Hein. Effectivement, si cette fraction s'accroissait, on pourrait s'inquiéter, mais en réalité, elle est stable dans le temps long. C'est à peu près 25% de ces 200 films d'initiative française soutenus par le CNC qui font moins de 10 000 spectateurs. Alors, mais il faut voir de quoi on parle. S'agissant du bon emploi des ressources, d'abord, c'est 25% de films qui font moins de 1% et qui font moins de 10 000 spectateurs. Ils occupent moins de 1% des séances de cinéma. Donc, ça n'est pas des films qui empêchent les autres films de trouver leur visibilité. Et deuxièmement, ces 25% de films qui font moins de 10 000 spectateurs, c'est moins de 5% des aides à la production du CNC. Hein. C'est-à-dire, c'est moins de 8 millions d'euros, et je rapporte ça au volume total d'activité du CNC, plus de 700 millions d'euros. Donc, quand on parle de ces films-là, enfin, à juste titre, hein, dans le rapport de la Cour des comptes, on est en train de parler de 1,2% de l'activité du CNC. Donc, voilà, il faut simplement recadrer le débat en donnant quelques ordres de grandeur. Donc, alors, je vais commencer à répondre à la question. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 25% de films soutenus, moyennant peu d'argent et peu de séances, qui font moins de 10 000 spectateurs? Ben, la réponse du CNC, c'est oui. Hein, parce que ces films-là, ce sont souvent les premiers films.
Vous avez 40% des films soutenus à l'avance sur recette chaque année sont des premiers films. Bon. Donc ces films-là sont des premiers films. Bah, parfois, structurellement, par construction, quand on en fait un premier film, on a moins de succès que si on est un cinéma, c'est confirmé. Et puis il y a des films un petit peu audacieux. Hein. Tout ça, c'est la recherche et développement du cinéma en réalité. Hein. Et comme dans toutes les filières, eh ben, pour construire l'avenir, pour construire le marché à l'avenir, on a besoin de faire de la recherche et développement. Voilà. Et donc, si 1% des séances de cinéma et 1,1% des aides du CNC, c'est le prix de la diversité, nous, on est parfaitement disposés à le payer. Sous le contrôle, évidemment, du Parlement et de l'exécutif, puisque le CNC, c'est quand même l'État. Donc, ça, c'était en quelque sorte le premier procès. Et le deuxième procès, qui est tout aussi contradictoire, c'est que le CNC sera engagé dans une politique de libéralisation à tout va et abandonnerait le cinéma d'auteur. Bon, je crois qu'une partie de ce que j'ai dit répond déjà à ce second procès. Je le redis, 40% des aides de l'avance sur recette, ce sont des premiers films. Donc, en réalité, on est aussi attaché qu'on n'a jamais été au renouvellement de la création. Et quant à la part de soutien public dans le financement du cinéma, en réalité, elle est parfaitement constante. Aujourd'hui, en moyenne, le soutien public à un film de cinéma, c'est 25%. Enfin, je prends une moyenne, bien entendu. Ces 25%, c'est moitié crédit d'impôt. Et la moitié restante, c'est les aides du CNC, les aides automatiques du CNC, 6%, les aides sélectives du CNC, 4%, les aides régionales, en partenariat avec le CNC, c'est 2,5%. Bon. Et donc, cette fraction de 25%, elle est parfaitement constante, encore une fois, dans le temps long. Et en réalité, si on s'attache au volume global de ces aides, il atteint en 2023 un pic historique, simplement comme l'industrie croit. Le fait que le volume total des aides attribuées n'aboutisse pas à augmenter la part des aides publiques, c'est un ajustement naturel. Donc voilà, je crois qu'on est en mesure de répondre à ces deux critiques qui en réalité sont des questionnements parfaitement légitimes. Alors, pour répondre à peut-être un peu plus directement aux trois questions que vous avez soulevées très rapidement, la réforme des aides du CNC. En réalité, nous, c'est quelque chose qu'on conçoit comme un processus permanent d'adaptation, à la fois aux conditions du marché et aux besoins de la profession. Bon. Ce qui est exact, et il y a peut-être un petit malentendu sur ce point dans le rapport de la Cour, c'est que entre 2019 et le printemps 2020, où il s'est passé quelque chose, comme vous savez, le CNC a réalisé ce qu'il a appelé la revue générale des soutiens, c'est-à-dire que nous avons, dans le cadre d'un travail en interne, réaliser une analyse extrêmement approfondie de nos, grosso modo, 120 régimes d'aide. Mais, comme le souligne la Cour, ces 1000 pages de fiches, hein, qui constituent un trésor d'analyse, ils ne sont pas destinés à préparer un grand soir de la réforme des aides. Je veux dire, ils sont destinés à nourrir en permanence notre réflexion sur l'adaptation, qui est tout aussi permanente, de nos dispositifs de soutien. Et en réalité, c'est un processus continu. Professionnels présents peuvent témoigner, par exemple, de la réforme justement de l'avance sur recette, qui a amené à créer un collège supplémentaire pour mieux soutenir les deuxième et troisième films, ou à des réformes du type de la fusion d'Unifrance et de TVFI, donc les deux organismes en charge de soutenir l'exportation des programmes cinématographiques et audiovisuels français, de façon à leur donner davantage de moyens. Donc la réforme des aides, oui, mais c'est un processus permanent qui n'appelle pas à notre sens un grand soir. Et enfin, la chronologie des médias, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, comme tous les cadres de régulation, c'est un work in progress. Hein. Voilà, donc c'est un travail qui requiert beaucoup de temps de cerveau disponible. Et encore une fois, qui n'a pas vocation à être figé. Contrairement à tous les pronostics, en janvier 2022, nous avons réussi à définir de façon consensuelle une nouvelle chronologie des médias qui fait la place à un nouveau partenaire de la diffusion, et pas des moindres, les plateformes. Donc il fallait les ramener du lointain espace un petit peu plus près, de façon à tenir compte de leur contribution au financement de l'audiovisuel et du cinéma. Donc on y est arrivé. Et là maintenant, nous avons un nouveau rendez-vous en janvier 2025, puisque la chronologie des médias, c'est tous les 3 ans. Et évidemment, on va anticiper cette échéance. Mais c'est vraiment une adaptation permanente. Là, je peux vous dire que dans les jours qui viennent, nous aurons le plaisir de publier au Journal officiel un avenant à la chronologie de janvier 2022 qui va permettre de faciliter
la diffusion des films et l'échange des programmes entre les plateformes et les télévisions gratuites. Donc c'est une coopération dont on se réjouit, dont les spectateurs seront les premiers bénéficiaires, parce que la circulation des films sera fluide. Et encore une fois, pour le mieux en ce qui concerne le financement du cinéma français. Donc voilà, pardon, j'ai déjà été un petit peu très long, mais je voulais juste poser un petit cadre général. Merci beaucoup pour ce cadre général. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pascal Rogard. Merci. Je suis très content d'avoir écouté Olivier Henrard parce qu'il m'évite de répéter ce qu'il dit. Je trouve que le CNC joue un rôle formidable pour la défense de la création. On l'a vu pendant la période du Covid et on a pu, nous, l'expérimenter parce qu'on a reversé des aides importantes aux auteurs. Et surtout, le CNC a mis en place un fonds d'indemnisation des tournages. Les tournages n'étant pas pris en charge par les assurances, c'est ça qui a permis à la production audiovisuelle et à la production cinématographique de continuer son activité et donc aux auteurs, aux réalisateurs de travailler. Alors bien sûr, les salles étaient fermées, mais on peut se réjouir, et c'est un des enseignements du congrès de Louville, des exploitants, c'est que la fréquentation est vraiment repartie en France. Elle est mieux repartie que dans beaucoup d'autres pays parce qu'on a un cinéma national qui est très fort. Et le deuxième enseignement aussi, c'est que les grands studios américains qui pouvaient être tentés d'échapper à la salle de cinéma, à ses contraintes, alors la chronologie, je ne suis pas totalement en accord sur la chronologie actuelle, mais enfin, elle est une contrainte pour ces plateformes, se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas amortir des films à budget important sans passer par la salle de cinéma. Et ça, c'est un élément important parce que ce qui définit le film de cinéma, c'est son passage en salle. Donc, je trouve aussi que la politique française, alors c'est pas simplement le cinéma, c'est le gouvernement, c'est le CNC, c'est aussi la diplomatie française, a parfaitement adapter les règles européennes à l'arrivée des plateformes, parce que c'était extrêmement compliqué de soumettre des plateformes localisées dans des pays où on paye moins d'impôts et où on a moins de contributions à la création, c'est-à-dire le Luxembourg, la Hollande et l'Irlande, voilà, ces trois pays spécialisés là-dedans. C'était pas simple, puisque le principe de la directive européenne, en particulier Télévision sans frontières, c'est qu'on applique la loi du pays d'émission, la loi du pays où on est situé. Et ce qu'a pu obtenir la diplomatie française, c'est que pour les obligations d'investissement, on applique la loi du pays de réception en fonction du chiffre d'affaires. Et le décret d'application qui a été adopté est un décret très ambitieux, puisque un certain nombre de pays n'ont pas mis d'obligation en Europe pour le financement de la création. Et les pays qui en ont mis sont en général quatre fois inférieurs au taux de la France, qui est de 20% si vous prenez l'option audiovisuelle et 25% si jamais vous preniez l'option cinéma. Et donc la politique française de ces dernières années a extrêmement été ambitieuse et elle a fait face à ce défi de l'arrivée des plateformes. Ce qui a été dit sur les critiques, alors complètement contradictoire. Cour des comptes qui dit politique nataliste, on fait trop de films. Et puis un certain nombre de professionnels qui disent « politique néolibérale, on réduit le nombre de films, on porte atteinte à la diversité ». La vérité, c'est que le CNC a maintenu sa politique. À mon avis, il a peut-être fait une erreur, c'est qu'il a annoncé qu'il allait faire une révision générale des aides. Alors c'est vrai que le Covid est arrivé et il ne l'a pas faite. Donc on peut avoir l'impression d'un empilement d'aides, parce que, bien évidemment, c'est plus facile de créer une aide que d'en supprimer une. Il y a toujours des gens qui sont là pour défendre l'aide qui existe. Mais je trouve qu'on a une chance formidable en France d'avoir un outil qui fonctionne parfaitement pour le bénéfice de la création. Pour la chronologie des médias, j'ai la chance, mais c'est l'ancienneté, d'avoir été dans le train de Luxembourg. On a été défendre la chronologie des médias devant la Cour de justice européenne, parce que ça pouvait être considéré comme une atteinte à la liberté de circulation. Et le gouvernement français, qui défendait cette chronologie, créée par Jacques Lang,
il faut le rappeler, pour protéger les salles de cinéma contre l'arrivée des vidéocassettes, le gouvernement français a emporté ce contentieux, et c'est absolument capital. Mais il l'a emporté pour une raison qui ne se retrouve pas dans la chronologie actuelle, c'est que la mesure de restriction à la liberté de circulation, à la liberté de diffusion, était proportionnée à l'objectif de protection des salles. C'est-à-dire qu'on ne traitait pas de la même manière un film qui fait 10 000 entrées et un film qui va en faire 10 millions. Donc on adaptait la chronologie à la vie en salle du film. Alors que là, à part l'aspect chronologie pour la diffusion en DVD ou en vidéo à la demande à l'acte, pour lesquels il y a une diminution de un mois de la chronologie. La chronologie est complètement étanche, on ne peut pas la bouger. Donc c'est sur ce plan-là qu'il faut certainement tenir mieux compte de la vie des films en salle. Enfin, il y avait un sujet que vous avez soulevé, c'est la protection des actifs stratégiques. C'est absolument capital, parce que les catalogues de films, et tous les films ont été financés par de l'argent public. Il faut le rappeler, tous les films, à la fois que ce soit le soutien, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit du crédit d'impôt, sont aux mains de catalogues, parce qu'au final, les films naissent indépendants, mais ils meurent quand même dans les groupes. Et il y a des risques de revente de ces catalogues à des opérateurs hors Union européenne. Alors, le gouvernement que l'on avait saisi de la question a pris des mesures. Il y a une loi qui a été votée, une commission qui a été créée. Mais ces mesures sont un peu des mesures de retardement. Ce ne sont pas des mesures qui permettent de bloquer le système, tout simplement parce qu'il faudrait pour cela modifier des règles européennes, notamment sur la liberté de circulation des capitaux. Mais c'est un enjeu majeur, parce que si demain des catalogues français extrêmement importants se retrouvent, je ne sais pas, en Chine, aux États-Unis, ce sera très difficile de contrôler l'application des droits d'auteur et de faire respecter, évidemment, les lois que nous avons. Enfin, je voudrais dire un dernier mot, c'est qu'il y a eu ces derniers temps quand même un renforcement très important du droit d'auteur par le vote de la directive droit d'auteur. Ça n'a pas été un vote facile, parce que la première version de la directive a été refusée par le Parlement européen. Mais la transposition qu'a faite le gouvernement français de cette directive est une transposition ambitieuse, puisqu'il a été prévu dans les dispositions législatives que si un contrat ne respecte pas le droit d'auteur à la française, eh bien, le producteur est sanctionné, il perd son soutien financier, et la plateforme ou le diffuseur est sanctionné, c'est-à-dire l'œuvre n'est pas décomptée dans ses obligations. Donc ce sont des sanctions immédiates qui permettent d'éviter le recours à la justice, qui est beaucoup plus lent, tout en sachant que les auteurs peuvent aussi craindre d'agir sur ce plan-là. Et pour faire respecter ces dispositions, nous avons passé des contrats, des accords avec le Centre national du cinéma et avec l'ARCOM, à qui nous pouvons mettre à disposition nos contrats. Donc on sort d'une période où le système de protection du cinéma français en termes d'obligation d'investissement a été renforcé, et où le système de protection du droit d'auteur a aussi été renforcé. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à Pierre Jolivet. Merci, madame. Ça marche ? Oui. Je voudrais faire une introduction un petit peu personnelle. Il y a 30 ans, Claude Berry m'appelle pour que je rentre à l'ARP et puis je me lance dans une mission bénévole au service du cinéma et certainement avec un point de vue sur le monde très politique. Et comme je m'adresse à des élus de la République, j'imagine que la politique a vraiment du sens dans votre vie. Et je me dis, pourquoi est-ce que tu vas t'engager, toi qui as produit toi-même des films, qui n'as pas eu l'avance sur recette, voilà, est-ce que... Voilà. Et finalement, je me dis, c'est très prétentieux ce que je vais dire, c'est une certaine vision de la France, une certaine idée de la France.
Et je me dis qu'un cinéma fort, ce qui est le cas en France, un cinéma fort accueille, un cinéma recroquevillé rejette. Et donc, notre cinéma est fort dans le monde entier. Vous le savez, pour voyager, la France s'est identifiée à travers son cinéma, dans le monde entier. Vous pouvez parler de la mode, vous pouvez parler un petit peu de l'industrie aéronautique, mais très vite, le cinéma arrive en premier dans la façon dont on est identifié dans le monde. Et je me dis à ce moment-là que ce cinéma fort français accueille les autres. Moi, ce qui me plaît dans mon pays, c'est que c'est une démocratie, que c'est une démocratie exemplaire au niveau de la culture et que partout dans le monde, quand il y a une dictature, un pouvoir autoritaire qui massacre ou qui massacre la liberté des gens, un réalisateur, une réalisatrice, si elle veut raconter cette histoire, elle se dit comment je vais le faire. Et la plupart du temps, elle se dit je vais le faire en France. Et ça, que mon pays puisse un jour ne plus être cette terre d'accueil d'auteurs palestiniens, ukrainiens, africains, qui se disent, dans ce pays-là, je vais pouvoir faire ce film qui raconte l'horreur et qui raconte la vie des gens. Voilà, donc ça, c'est le fond de mon engagement, pourquoi je suis rentré à l'ARP bien longtemps. Maintenant, pour revenir sur les trois questions qui ont été posées. Les actifs stratégiques culturels, c'est une formulation qu'on a eue à l'ARP il y a 3 ou 4 ans maintenant et sur laquelle nous ne cessons de travailler. Je crois qu'il serait évidemment très étrange au moment où le président de la République ou le moment où le commissaire Thierry Breton ou tout le monde revendique la souveraineté culturelle de la France, la souveraineté culturelle européenne, et on voit évidemment à quel point les États-Unis et la Chine veulent peser de tout leur poids sur tous les aspects de notre société, ce serait fou de ne pas nous défendre. Et donc, évidemment, le cinéma, mais le théâtre, la littérature, enfin toute la culture fait de nous les citoyens que nous sommes, à savoir des citoyens démocrates d'un pays moderne. Et évidemment, nous n'avons aucune envie que tout ça tombe dans l'escarcelle dehors des éventuelles récupérations de dividendes, évidemment, qui seraient inacceptables. Mais surtout, on ne veut pas que notre pensée soit en liberté surveillée. Par des sociétés américaines ou chinoises ou que sais-je. D'ailleurs, de ce point de vue-là, vous le savez, nous sommes très alertés par un problème où nous avons découvert que, à travers l'Europe, qui a refusé le plan média à des sociétés soi-disant françaises, mais qui n'ont pas eu les aides, parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient majoritairement, capitalistiquement, détenus par des Américains. Donc nous avons d'ailleurs fait un recours en face du CNC pour que ces sociétés, pour citer Asacha, parce que ça a été prouvé, mais il y en a d'autres, et donc nous voulons absolument surveiller que les aides françaises ne puissent pas être données à des sociétés qui sont majoritairement américaines. Il est donc temps, et même je dirais urgent, que le CNC s'aligne sur l'Europe, qui elle décide que toute société détenue majoritairement par un extra-européen n'a pas le droit à des aides. Là-dessus, il faut que le CNC réforme son régime d'aide pour trouver une formulation qui soit quand même, c'est bien le moins, nous sommes la France, le pays de la culture, la plus grande culture européenne, c'est bien le moins que nous soyons aussi bien disants que l'Europe. Donc là, il y a évidemment un petit travail à faire au Centre national du cinéma pour ajuster nos règlements sur une Europe qui, elle, a compris que la souveraineté culturelle passe aussi par la souveraineté capitalistique des entreprises. Le deuxième sujet, c'est la chronologie des médias. La chronologie des médias, comme Pascal regarde, ça fait longtemps que je la pratique également. C'est à chaque jour suffit sa peine. On la remet en cause tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 ans. J'étais d'ailleurs assez choqué de la phrase de la ministre de la Culture française qui a annoncé que les demandes de Disney étaient légitimes sur la chronologie des médias. J'adorerais voir un responsable américain dire que les demandes de sociétés françaises sont légitimes pour remettre en cause la législation américaine. Ça, j'adorerais voir ça un jour. Je crois que ça n'arrivera pas. Non, bien sûr, la chronologie des médias, c'est un travail permanent. C'est surtout la préservation des salles, bien évidemment. Mais c'est aussi le secret du financement de ce formidable cinéma. Évidemment, plus vous donnez de l'argent, plus vous êtes haut dans la chronologie des médias. Et ça, c'est quand même un système extrêmement vertueux.
En quoi c'est des gens qui mettraient presque rien comme argent dans le cinéma pour être plutôt dans la chronologie que d'autres. Évidemment, si demain, je prends un exemple, Netflix décide de mettre 250 millions d'argent dans le cinéma, parce qu'ils sont la passion du cinéma, bah, ils vont remonter dans la chronologie. Aujourd'hui, il y a un partenaire important, Canal+, qui est là, qui est de loin devant les autres, parce que son investissement est très fort dans la diversité, je le précise. Les engagements de France Télévisions sont des engagements dans la diversité. Une diversité estampillée, vérifiée chaque année avec des rencontres. On se rend compte que et Canal+ et France Télévisions, bah, vous regardez, il y a des petits films, il y a des moyens films, il y a des films de la diversité, il y a des films ambitieux, voilà. Donc ça, c'est vraiment le socle de notre création cinématographique et qui crée cette diversité. Et c'est cette diversité aussi qui fait les spectateurs. C'est parce que le spectateur français, à tout moment, se dit « Est-ce que je veux voir une grosse comédie ? Est-ce que j'ai envie de voir un film plus pointu, plus audacieux ? Ou est-ce que j'ai envie de voir un de ces films du milieu dont on peut regretter, même s'il y a 36% de plus d'investissements qui ne soient pas plus nombreux ?» Parce qu'on se rend compte, quand on regarde de loin, c'est ces films du milieu qui font beaucoup l'histoire du cinéma français. C'est ceux qui restent dans le patrimoine le plus longtemps. Et donc, voilà, il y a là-dedans, dans cette chronologie du média, quelque chose de compliqué, mais de vertueux, parce que c'est sans cesse le plus vertueux qui passe devant. Et pour nous, la vertu première, c'est celui qui finance dans la diversité. Voilà. Troisième dossier, le CNC. Le CNC, qui a été un partenaire exemplaire, je le redis, aussi pendant la crise. Mais c'est vrai que nous, à l'arrivée de Dominique Boutonnat, on s'est, à l'ARP, on n'était d'ailleurs pas très nombreux, à lui souhaiter la bienvenue, parce qu'il y avait cette question de la révision des aides. Et évidemment, on peut s'interroger, parce que c'est un terrain mouvant, comme le dit M. Henrard, sans cesse, il faut adapter les aides. Nous, en tout cas, s'il faut adapter le CNC à ce qu'est la production aujourd'hui, c'est juste du travail. On se met autour d'une table, on discute, on travaille. Nous, quand il s'agit de se mettre autour d'une table, de discuter, de travailler, nous sommes toujours partants. Voilà, pour répondre d'une façon un peu rapide aux trois questions que vous aviez posées, Madame la Vice-Présidente. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à Marc Missonnier. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc je représente moi les producteurs ici. Merci pour cette invitation. Écoutez, je voulais dire en introduction que notre secteur, en fait, est en train de vivre une profonde mutation dans la diffusion des œuvres, qui a évidemment démarré déjà il y a un certain temps, avec l'arrivée du digital et du non-linéaire. On est en plein dedans. Et que cette mutation, qui est une vraie révolution, est en train de produire ses effets, et on doit sans cesse s'adapter en fait à ça. Ceci dit, le cinéma a déjà vécu ce genre de mutation, ce genre de révolution, et c'est toujours adapté, et c'est le cas aujourd'hui. Et donc ça se fait parfois avec quelques ajustements, quelques soubresauts, mais on est en train de s'adapter. À condition, évidemment, de garder en tête quelques principes qui sont pour nous des boussoles et qui ont guidé d'ailleurs nos prédécesseurs. Et les principes, c'est de conserver une diversité des œuvres qui sont produites en France et de conserver l'indépendance de ceux qui les créent, ces œuvres. Et quand je dis ceux qui les créent, c'est aussi bien sûr les créateurs eux-mêmes, les auteurs et réalisateurs, mais aussi les producteurs. Et pour ça, il y a finalement trois choses qu'il faut bien avoir à l'esprit. Est toujours en ligne de mire, c'est de défendre le droit d'auteur, qui est le socle de tout ça, de défendre aussi le préfinancement de ces œuvres, parce que c'est parce qu'il y a un préfinancement que ceux qui les font sont indépendants de ceux qui les diffusent. Et bien évidemment aussi, on en a déjà parlé avant moi, défendre la souveraineté culturelle européenne, qui est évidemment très importante. Alors, pour répondre à cette mutation dont je parlais, on a décidé, alors même que la profession s'organise en multiples groupes, réunions, unions, syndicats et autres, on en a créé une nouvelle il y a quelques temps de ça, qu'on a appelée la Task Force. Et cette organisation, qui est quelque chose de très informel, réunit en fait dans un même sein les producteurs d'un côté et les auteurs-réalisateurs de l'autre. Réunit cinq organisations qui représentent l'intégralité des auteurs, réalisateurs et des producteurs. Et pourquoi je vous en parle ? C'est parce que cette task force a en fait été l'interlocuteur des pouvoirs publics à travers le CNC et la DGMIC
dans la discussion pour la transposition de la directive SMA et qui aboutit au décret SMAD, qui a évidemment des effets très importants. Et donc, on a été au cœur de toutes ces discussions et on a pu parler d'une seule voix. Donc, la création cinématographique a pu organiser ce dialogue et cette construction. Et enfin, cette task force a aussi été l'interlocuteur des diffuseurs et des plateformes et a abouti à un certain nombre d'accords, renouveler des accords qui existaient déjà, comme l'accord avec Canal+, par exemple, mais a aussi signé des accords inédits avec des groupes de télévision privée comme TF1, M6, et a aussi signé un accord avec Netflix, la plateforme américaine que vous connaissez bien. Voilà. Donc, cette petite introduction pour juste vous dire ensuite que, et j'essaierai de répondre très rapidement ensuite à votre question, que pour nous, il y a un certain nombre de sujets sur la table aujourd'hui, pour les mois ou années, disons les mois à venir. Et donc, je vais vous en faire la liste très rapidement, vous allez comprendre. Et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui et qui articulera toutes les réponses qu'on pourra faire. La première, c'est d'assurer, et Manuel Alduy pourra en parler, d'assurer un financement pérenne de l'audiovisuel public. On est très, évidemment, on attend de voir le résultat de toutes ces discussions, bien sûr. Ensuite, Pierre en a parlé tout à l'heure, Pierre Jolivet, renégocier et renouveler les accords interprofessionnels avec les diffuseurs. Donc on a parlé de Canal+, mais tous les autres aussi, puisque ces accords viennent à échéance à la fin de l'année prochaine. Et il faudra donc renouveler tous ces accords pour 3 années ou peut-être plus supplémentaires. Donc ça va nous occuper toute l'année prochaine. Rediscuter la chronologie des médias, effectivement, ou l'adapter du moins, puisque je ne pense pas là non plus qu'il y aura un grand soir de la chronologie des médias. Renforcer la protection des actifs structurels, puisque vous en parliez. Et nous pensons qu'il faut mettre au niveau la législation française. Il y a clairement pour nous un trou dans la raquette. C'est pour ça que nous avons entamé cette procédure pour clarifier un certain nombre de choses. Pour vous la faire courte, il faut introduire un élément très important qui est le contrôle capitalistique des sociétés, qui doit donc être impérativement par des Européens pour pouvoir bénéficier de tout le système d'aide qu'on a mis en place en Europe. C'est absolument essentiel et il y a, d'après nous, un flou, quelque chose qu'il faut préciser et qui est nécessaire. Il faut aussi défendre les dispositifs fiscaux vertueux pour le financement du cinéma, que sont les crédits d'impôt et les SOFICA. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Conforter le CNC dans la collecte des taxes et la répartition des différents soutiens, c'est évidemment un rôle que le CNC remplit parfaitement bien et nous, il a tout notre soutien là-dessus. Discuter et mettre en place des engagements de programmation pour les films dans les salles de cinéma, c'est là aussi un manque qui existe aujourd'hui et il est temps que ça vienne sur la table. Je le dis parce qu'il y a des représentants des auteurs à cette table. Il y a un accord entre producteurs et auteurs qui est en discussion et j'espère qu'on aboutira rapidement. Voilà. Et pour finir, comme vous le savez, il y a une grève aux États-Unis. Alors, la grève des scénaristes est terminée, mais la grève des acteurs est toujours en cours. Et les accords qui ont été conclus pour les auteurs, et celui qui sera certainement conclu pour les acteurs, est riche d'enseignements pour nous, je trouve, en particulier sur la thématique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà. Bon, donc, excusez-moi pour ce balayage très vaste. Voilà. Et pour ce qui concerne les points que vous avez abordés, j'ai déjà parler des différents points dans mon propos. Juste pour un point sur la réforme des aides du CNC, je ferai la même réponse que Pierre Jolivet, c'est-à-dire que nous, on est évidemment disponible, on l'est toujours auprès du CNC pour discuter d'aménagement, de réformer les aides et d'apporter notre concours à ce sujet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Girard, maintenant. Bonjour à tous, merci de nous avoir conviés à cette table ronde sur la création cinématographique. Tout d'abord, commencer par effectivement un satisfecit sur la situation de la salle en France. C'est suffisamment rare pour le souligner, puisque c'est plutôt une exception au niveau mondial. Effectivement, à Deauville, le chiffre de 190 à 200 millions d'entrées a été annoncé. Donc, on espère que les prochains mois vont permettre de tenir cet objectif avec une part du cinéma national extrêmement élevé, autour de 40 ou 45%, et ça, c'est vrai que c'est un grand motif de satisfaction.
Pour tous les acteurs de la filière et en particulier pour Canal+, puisque ces films qui font des entrées, qui trouvent leur public en salle, ensuite on va pouvoir les proposer sur nos antennes pour la grande satisfaction de nos abonnés. On parle de chiffres, mais on parle aussi de qualité. L'année a été exceptionnelle en termes de récompenses dans les grandes cérémonies. Évidemment, la Palme d'Or avec Anatomie d'une chute, mais aussi sur l'Adamant qui a obtenu l'Ours d'Or à Berlin et toute une série de prix prestigieux qui viennent récompenser le cinéma national. Et donc ça également, on s'en réjouit puisque le cinéma est au cœur de notre stratégie commerciale, de notre stratégie éditoriale. Ça reste le premier motif d'abonnement à Canal+. Et ça reste... un enjeu financier extrêmement lourd pour le groupe, puisqu'on investit évidemment beaucoup d'argent dans le cinéma pour le plus grand plaisir de nos abonnés. Le sujet de la valeur est clé. On investit via notre casquette de préfinanceur au titre de Canal+ et Ciné+. Donc on achète les droits des films non encore sortis en salle pour les diffuser sur les antennes. Et puis on intervient également via Studio Canal, qui est le premier studio européen de cinéma et qui investit également énormément. Et puis la valeur, c'est aussi la valeur éditoriale avec tout le travail qui est fait pour éditorialiser les films, les contenus sur nos antennes. On a, je fais un petit peu de promo, mais lancé une nouvelle chaîne Canal+ Box Office la semaine dernière. On a lancé une chaîne Canal+ Grand Écran il y a 2 ans. Et donc tout ça, c'est pour proposer des écrans et mettre en valeur le cinéma et leur permettre une visibilité de l'ensemble des œuvres dans leur diversité sur les chaînes qu'on propose et qu'on édite au sein du groupe. Et puis évidemment, il y a le sujet extrêmement important de la lutte contre le piratage qui reste un enjeu clé pour nous, comme pour toute la filière, mais c'est quelque chose qui est extrêmement structurant pour le groupe Canal. Rappeler également, ça a été dit par mes partenaires et camarades, mais effectivement que l'année 2021 était une année extrêmement importante en termes de modification du cadre réglementaire, avec à la fois toute une série de décrets qui ont modifié la réglementation, mais aussi des accords clés avec l'ensemble de la structure, un accord clé entre Canal+ et les professionnels du cinéma. Et ça a permis à la fois de faire rentrer les plateformes dans le financement des œuvres avec du préfinancement, mais de garder des équilibres via la chronologie des médias. La chronologie des médias, c'est souvent présenté comme un sujet d'exposition des œuvres, mais c'est aussi un sujet de financement. Effectivement, on le dit régulièrement, mais on tient à le rappeler, aujourd'hui, dans la chronologie des médias actuelle, telle qu'elle existe, en fait, la place qu'occupe Canal+ est ouverte aux plateformes, si tant est qu'elles financent de manière beaucoup plus importante qu'elles ne le font aujourd'hui le cinéma. Enfin, rappeler que le système français, c'est un peu une lapalissade que de le dire, mais voilà, ça a permis cette exception culturelle à un cinéma divers et varié d'exister, que le CNC est vraiment au cœur aussi de cette mécanique pour la diversité, pour l'exception culturelle, et que nous, on est un groupe international, on voit les autres cinémas dans les autres géographies où on opère, les cinémas nationaux n'ont absolument pas la puissance et le poids du cinéma français, que le cinéma français a en France, et ça, on le doit aussi à tout l'écosystème, pouvoir public, chronologie des médias, et ce partenariat privé-public qui est fond de l'exception culturelle. Donc voilà, on est à votre disposition pour toutes questions. Merci beaucoup. Et pour terminer cette table ronde, je vais donner la parole à Manuel Andui. Je vais essayer de tenir dans les 5 minutes comme Vincent a réussi. En 2 mots, France Télévisions, on a 2 missions de service public vis-à-vis du cinéma. C'est de faciliter l'accès au cinéma au public. Nous sommes un service payé par les impôts des gens. Il faut qu'ils puissent voir le cinéma auquel ils ont indirectement, par notre intermédiaire, contribué. Et deuxièmement, soutenir et diffuser la plus grande diversité. Donc on diffuse aujourd'hui à peu près 500 films par an, 300 sur les chaînes et en plus 200 sur la plateforme France.tv. Et c'est à l'aune de ces 2 missions que je voudrais répondre à vos questions. La question de la volumétrie de la production nationale, comme l'ont rappelé les précédents intervenants, elle est bonne,
elle est abondante, elle est vivace, elle est très créative, cette production française. Elle n'est pas plus nataliste que la production audiovisuelle. On est globalement dans un moment où il y a énormément d'offres audiovisuelles. Et donc, il n'y a aucune raison de pointer du doigt le cinéma en particulier, qui, lui, comme l'a rappelé Olivier Enrard, est plutôt stable dans sa production, a besoin de faire de la recherche et développement. On est dans une industrie culturelle. Si on savait faire des films systématiquement rentables dès la première fenêtre, dès le premier mercredi de sortie en salle, je pense qu'on ne serait pas autour de cette table. Donc, elle est très bonne. En revanche, cette production, elle a sans doute besoin de beaucoup d'aide. Je ne suis absolument pas partisan d'une réduction du nombre d'aides. On est dans une industrie qui est complexe. Les aides sont sans doute pas lisibles pour ceux qui ne les pratiquent pas. Le rapport de la Cour des comptes a souligné justement que les intervenants, les bénéficiaires des aides savaient très bien ce à quoi ils avaient affaire et que ça avait été elles sont très transparentes. Elles sont nombreuses, mais transparentes. Donc ça, c'est le premier point. Ce système, il fonctionne sur une chronologie qui est facialement harmonieuse, chronologie des médias. On a participé à la précédente négociation. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que les professionnels qui comprennent la chronologie des médias. Le grand public a lâché. Arrête de se poser la question à partir de quel mois le film va arriver, sur quelle plateforme. C'est juste impossible. Elle est devenue illisible. Elle sert des intérêts économiques importants. On a besoin de protéger la salle, on a besoin de protéger les partenaires qui, globalement, investissent plus que les autres. C'est normal. Mais on est dans un petit train, avec des fenêtres figées, quel que soit le film que vous faites, et pire, quel que soit l'investissement que certains mettent dans le film. Vous pouvez avoir des films aujourd'hui qui n'auront que France Télévisions, et bien faudra attendre, à part la salle, 22 mois pour les voir sur une chaîne publique payée par les impôts des gens. Est-ce que ça, c'est normal? Je ne suis pas sûr. On en a déjà un petit peu parlé. On aura l'occasion d'en reparler. Les exceptions, comme le rappelait Pascal, à la chronologie des médias pour des films qui sont de taille différente, sont rares et rarement pratiquées. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on doit tout chambouler? Non, cette chronologie, elle est indispensable. Dans tous les pays, il y a une chronologie des médias, mais la nôtre, elle a la vertu d'avoir été négociée de façon interprofessionnelle. Donc, il faudra sans doute qu'on reste, enfin, on sera, nous, toujours partisans pour qu'on reste dans un système encadré. Sur le dernier point des actifs culturels, il y a sans doute, je ne vais pas répéter ce qui a été dit précédemment, je voulais juste amener un éclairage, le service public, par ces deux filiales d'investissement en coproduction, France 2 Cinéma et France 3 Cinéma, qui existent depuis de nombreuses années, et coproducteurs minoritaires pour chacune des deux filiales d'environ 1000 films français. Donc pour nous aujourd'hui, France Télévisions, en tant que diffuseur, cette coproduction minoritaire nous permet d'avoir accès à ces films-là en priorité, si on met l'argent que les ayants droit vont accepter. Et ça nous protège d'une privation d'accès à une partie de la production nationale française. Je pense que c'était une des vertus du système français créé il y a très très longtemps, de pouvoir investir en tant que coproducteur sur ces films-là. On en fait à peu près 60 par an, et au bout de 35 ans, nous en sommes à un peu plus de 1000 sur France 2 Cinéma et à peu près 1000 sur France 3 Cinéma. Voilà, j'ai fait aussi court que Canal+. Merci beaucoup pour vos propos liminaires qui ont permis, je pense, qui vont permettre d'enrichir les interventions de nos collègues ici députés pour des interventions par groupe, tout d'abord, par groupe politique, et ensuite il y aura des questions-réponses qui vont vous interroger, je pense, par rapport à ce que vous avez dit, vos visions, vos préoccupations, mais aussi vos propositions. Donc tout d'abord, on commence par Quentin Bataillon pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Avant tout, bien sûr, remercier la Commission pour l'organisation de cette table ronde de filière. Remercier l'ensemble des intervenants et bien sûr les structures, les sociétés ou les organisations qui le représentent et leur action en faveur effectivement de la création culturelle. Commencer, mais ça a déjà été dit, par une note d'optimisme, notamment par rapport à ce qu'on pouvait penser il y a 2 ou 3 ans au moment du Covid, c'est que, un, la fréquentation en salle est très importante, même plus importante qu'avant le Covid, et ça c'est très positif, et on doit faire le maximum pour que ceci perdure et que ces chiffres restent en ce sens-là. Et ensuite, on l'a vu notamment au Festival de Cannes avec la présence d'Apple, et puis en tout cas les choix qu'ont pu faire Apple, c'est le modèle français qui a gagné. Ce qui est quand même pas moindre, c'est effectivement la salle qui est au centre du jeu, c'est la salle qui est vraiment
le centre de toute promotion de films et de visionnage. Donc c'est effectivement extrêmement important et c'est loin d'être un acquis. Ensuite, saluer bien sûr la politique du gouvernement qui est très importante avec France 2030, la grande fabrique de l'image, c'est extrêmement important. Tous les millions qui vont être investis et organisés notamment par le CNC, que ce soit à travers les studios, que ce soit à travers la formation, la réalité virtuelle, seront des éléments extrêmement forts et qu'il faut que nous puissions encore aussi accompagner avec les crédits d'impôt puisque il n'est pas utile d'avoir des studios si on ne peut pas les remplir après. Donc en tout cas, compter sur notre détermination en ce sens-là. Remercier bien sûr très fortement le CNC pour son action. Le CNC a une action extrêmement large de régulateurs, de modérateurs, de porte-parole de filières également. Et puis, c'est important de le rappeler, c'est le bras armé du soutien public. Et si parfois certains en doutent, il a aussi cette compétence d'administration générale du ministère de la Culture et l'émanation de toute la politique qu'on veut favoriser. J'aurais une question qui sera assez courte. On entend effectivement toutes les critiques qu'on peut avoir sur les aides, sur la lisibilité, sur le fait qu'elles sont beaucoup trop importantes. Ce serait de connaître en fait les propositions de chacune et chacun sur l'évolution possible de ces aides concrètes, dans quel sens vous voulez aller, sur quels critères il faut évoluer, quelles aides doivent être fusionnées ou en tout cas supprimées. Voilà. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir ces propositions concrètes de réformes proposées par l'ensemble des acteurs dans le cadre des aides du CNC. Merci. Je passe la parole à Philippe Ballard pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, on se félicite, comme vous, de la reprise de la fréquentation en salle suite à la crise Covid. On peut évidemment se féliciter également de la bonne tenue du cinéma français dans les festivals, avec notamment dernièrement 2 Palmes d'Or. Cela nous conforte dans l'idée qu'il faut défendre le modèle de l'exception culturelle française qui nous permet de faire rayonner le cinéma français et la francophonie. Mais la question est-ce à son juste prix? On s'aperçoit que la part des entrées des films français en salle se situe en moyenne à 38% des entrées totales et l'orientation est à la baisse, alors que dans le même temps, le nombre de films français produits augmente. Autre élément d'alerte, l'exportation des films français est également orientée à la baisse, alors que les programmes audiovisuels, eux, sont à la hausse et rapportent par définition plus d'argent. Enfin, le récent rapport de la Cour des comptes parle d'une complexité croissante des aides du CNC. On s'interroge donc sur l'efficacité de ces soutiens, surtout quand certains évoquent un entre-soi qui a déjà été pointé du doigt par la Cour des comptes. Donc la question, c'est comment réformer ce système d'aide dans une optique vertueuse et transparente, tout en préservant l'exception culturelle française. Puis j'avoue que j'étais assez étonné d'entendre M. Jolivet tout à l'heure. Alors il y a des fonds de pension, notamment américains, qui investissent dans des sociétés de production qui perçoivent par ailleurs de l'argent public. Le problème, c'est que les bénéfices sont rapatriés à Wall Street et distribués aux actionnaires américains. Moi, je m'interroge pourquoi encourager cette dérive. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Iñaki Echaniz. Voilà, Echaniz, socialiste et apparenté. Désolé, chers Bien, collègues. Merci, Madame la Présidente. La dernière édition du Festival de Cannes a rouvert les débats sur le système français de financement du cinéma. Si après la crise de la Covid, les salles françaises n'ont pas retrouvé leur performance d'avant la pandémie du côté de la production, les impacts négatifs de la crise sanitaire semblent avoir été gommés. Toutefois, des difficultés demeurent, fragilisation économique des chaînes de télévision, resserrement des crédits bancaires ou difficulté à trouver des techniciens faisant pâtir les producteurs. Dans le cas de France 2030, la ministre de la Culture a présenté au printemps dernier une grande fabrique de l'image. Si l'on peut se réjouir des 350 millions d'euros de subventions, ce projet, sur lequel je sollicite votre avis, prône une vision compétitive de la production cinématographique, mise dans le même panier notamment que les jeux vidéo ou les œuvres tendant à devenir des contenus. L'exception culturelle française s'est développée pour affirmer la spécificité des biens culturels dans une économie marchande à laquelle ils ne peuvent être complètement soumis. Le financement du cinéma français ne doit pas être indexé à des questions de rentabilité. Le cinéma doit rester un espace de création, de pluralité et de diversité. Il apparaît ainsi primordial de ne pas confondre impératif économique et objectif culturel. Le succès de certains films d'art et d'essai ne doivent pas faire oublier la quantité de films fragiles portés par des cinéastes et des acteurs peu connus et de plus en plus invisibilisés et que nous devons continuer de financer.
La qualité d'un film ne peut dépendre de son potentiel commercial, contrairement aux préconisations énoncées par le sénateur Roger Karoutchi. Le financement public doit être maintenu, d'autant qu'il génère aussi des retombées économiques pour les financeurs, droits de diffusion et recettes, attractivité régionale et emplois locaux. À ce titre, comment vous positionnez-vous vis-à-vis du rapport de la Cour des comptes rendu public la semaine dernière ? Et il me semble également important, à l'heure des contenus en ligne et des plateformes, parfois peu à même de respecter les droits d'auteur, de maintenir la solidarité de l'audiovisuel et du cinéma. Sur ce dernier point, quel regard portez-vous sur la relative récente obligation de financer des plateformes, de financement des plateformes ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, je laisse la parole à Sarah Legrain pour la France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, merci pour votre présence à cette table ronde sur la création cinématographique. Présence nombreuse, donc difficile de faire dans la dentelle en deux minutes. Donc, vous me pardonnerez d'y aller un peu à la serpe. Il y a un an, Saïd Ben Saïd évoquait une vulgate mensongère que les politiques véhiculent par cynisme, par opportunisme ou par ignorance, selon laquelle le cinéma français serait un secteur d'assisté. Il précisait que tout l'argent qui circule sous forme d'aide vient en réalité du secteur audiovisuel et pas des impôts, avant de s'inquiéter d'une dérive vers la volonté de soumettre le fonctionnement des aides sélectives du CNC, normalement destinées à des projets artistiquement, culturellement importants, mais mal armés financièrement pour affronter le marché, à une approche de plus en plus fondée sur des performances économiques. De son côté, la SRF dénonçait en juillet 2022 un brouillage grandissant des frontières entre cinéma et audiovisuel, la redistribution des aides en faveur de films déjà soutenus par le marché et multiplication de critères de performance de rentabilité. Justine Triet, notre palme d'or, s'est fait le relais, il me semble, de ces alertes sur les logiques de marchandisation menaçant l'indépendance et la diversité du cinéma français et l'accueil hostile qu'a pu recevoir son discours m'a semblé confirmer une certaine difficulté à sortir d'un certain regard sur le cinéma français. Il me semble que le rapport de la Cour des comptes contribue à continuer par ses exigences d'efficience, de lisibilité et par son attaque envers un surfinancement public à l'échelle de la filière, voilà, me semble prolonger ce débat. Alors comment faire pour que les critères de rentabilité et de compétitivité de l'industrie cinématographique française ne prennent pas progressivement le pas sur l'objectif de vitalité, de diversité de ce qui reste une exception culturelle française? Quels infléchissements pour que la redistribution reste au cœur du CNC? Quelle éventuelle redéfinition du label Art et Essai? Et je voulais terminer en passant de la question du financement de la diversité à celle de la diversité du financement, en faisant remarquer le décalage entre France Télévisions, qui participe à hauteur de 60 millions et qui est actuellement menacée depuis la suppression de la redevance d'une difficulté budgétaire, et par ailleurs Canal+, qui a investi 200 millions d'euros après d'âpres négociations sur la chronologie des médias. Est-ce que là, on ne peut pas craindre aussi le risque d'un manque de diversité et d'indépendance dans le financement du cinéma français, dans un contexte, on le sait, aussi de concentration croissante du secteur de l'industrie culturelle, notamment sous la houlette de Bolloré? Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, Jean-Jacques Gauthier pour Les Républicains. Je rappelle que c'est deux minutes. Merci, Présidente. Dans un pays qui a inventé le cinéma, qui reste un des premiers producteurs au monde, nous conservons une filière forte, mais fragile, qui fait face à une transformation des usages et des technologies, avec la concurrence des plateformes de streaming, mais qui peuvent être aussi vues comme un facteur de financement, ça a été rappelé, et également un facteur de diffusion. On a vu l'intérêt avec Ridley Scott et Amazon, ou Scorsese et Apple. Tout cela venant après le choc sans précédent de la crise sanitaire qui a vu une fermeture des salles pendant 300 jours. Alors l'exception française, c'est, je pense, son mode de financement avec son bras armé, le CNC, qui a permis à la fois résistance, résilience et une part de marché, ça a été rappelé, des films français de près de 40%, ce qui est remarquable. C'est à peu près le double des productions locales des pays voisins, avec un retour de nos spectateurs, à peu près 180 millions sur les 12 derniers mois. Tout cela fait du cinéma à la fois un art qui touche à la création, qui permet à la langue française de voyager et de rayonner, mais aussi une industrie avec, ce qui touche à l'économie, avec 245 000 emplois en ce qui concerne le cinéma et l'audiovisuel. Mes interrogations portent là aussi suite au récent rapport de la Cour des comptes paru la semaine dernière, c'est pas vieux, et qui traite des années 2011 à 2022.
Olivier Henrard a répondu à la question de la surabondance de l'offre. Je pense que c'est très bien qu'il y ait une part importante et croissante des films d'initiative française avec un soutien public lui aussi en augmentation. La question, c'est est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien, puisqu'on avait un tiers des films d'initiative française avec moins de 20 000 spectateurs et qui pouvaient rester une petite semaine à l'affiche sur un nombre très limité d'écrans. Mais il y a déjà eu une réponse sur ce sujet. La deuxième question, je voulais avoir votre avis sur la modification des critères du label ARS. C'est quoi en France? C'est 50% des cinémas en France, 1200 salles, c'est 18 millions de subventions au total, avec déjà une progressivité dans les subventions, puisque ça varie de 1000 à 100 000 euros par salle. Est-ce qu'un durcissement des critères ne ferait pas sortir un nombre important de villes de ce dispositif, notamment je pense aux villes moyennes et aux territoires ruraux, et n'y a-t-il pas là un enjeu territorial aussi à considérer? Merci. Sophie Mette pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci à tous de participer à cette table ronde. Je souhaite aborder le rapport rendu la semaine dernière par la Cour des comptes sur le Centre national du cinéma, le CNC. J'aimerais entendre les personnes auditionnées. Votre expertise à tous est digne d'intérêt quand on soutient de la France à la création artistique et notamment cinématographique. Le CNC en est un pilier. Il a su aider notre cinéma à passer le cap de la pandémie. Il l'a accompagné à travers la numérisation des salles ou encore à l'arrivée des plateformes étrangères. Les magistrats financiers pointent maintenant le fait que les aides aux films continuent de gonfler, tandis qu'ils trouvent de moins en moins leur public. Seulement 2% des œuvres soutenues par l'avance sur recette, aide emblématique au cinéma d'auteur, seraient rentabilisées en salle. Ces calculs, et c'est important, ne prennent pas en compte l'exploitation ultérieure des films. En plus de la salle, le CNC travaille sur leur diffusion, l'éducation à l'image, le soutien au festival, l'aide aux salles, etc. Lors du dernier Festival de Cannes, la cinéaste Justine Trier, qui fait définitivement partie des auteurs les plus soutenus par le CNC, accusait le gouvernement de sacrifier la culture sur l'autel de la rentabilité. Signaler ses incohérences et ses mensonges dévoilaient pour les extrêmes une censure de la pensée et des arts. Les gouvernants successifs depuis 2017 à travers le CNC ont soutenu et soutiennent fortement la précieuse exception culturelle française. Le renouvellement de la création, la diversité des films et le rayonnement de notre cinéma à l'international sont autant de succès qu'il faut souligner. Comment continuer alors que le rapport invite à une rationalisation des aides pour plus d'efficience? Une révision générale des soutiens est engagée au sein du CNC. Quels en sont les contours? Enfin, la Cour des comptes juge indispensable que le CNC rende davantage compte de son action auprès de son ministère de tutelle, celui de la culture. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Merci. Et pour terminer avec les orateurs, c'est Béatrice Bellamy d'Horizon et Apparenté. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le cinéma, on le dit, est essentiel. Les Français sont fidèles au grand écran. En effet, les niveaux de fréquentation, nous l'avons dit, se sont nettement redressés et sont revenus aujourd'hui à une situation d'avant-crise sanitaire. C'est une excellente nouvelle, bien sûr, pour la filière, on s'en réjouit. Je le dis d'autant plus qu'en étant une élue de la ville de La Roche-sur-Yon, une collectivité qui investit plusieurs millions d'euros dans la construction en centre-ville d'un cinéma d'art et essai qui rouvrira ses portes en janvier prochain. Nous avons également la chance d'avoir un festival international du film, de première française et d'avant-première. Ce sont chaque année près de 30 000 cinéphiles qui nous rejoignent. La programmation est d'ailleurs annoncée aujourd'hui même. Je veux saluer les collectivités qui accompagnent les cinémas, qu'ils soient associatifs ou en établissement public. La dynamique cinématographique est un atout pour nos territoires et pour le tissu économique. Premièrement, pouvez-vous nous indiquer la place qu'occupe le pass culture dans cette dynamique? Deuxièmement, cette dynamique est bien entendu liée à la production cinématographique qui bat son plein avec la multiplication des demandes de contenu. Le développement des plateformes de streaming stimule la création, c'est un fait. Mais met-elle en danger le cinéma en salle? D'autant plus avec la fragilisation économique des cinémas du fait de l'augmentation des charges. Où en sommes-nous dans ce débat continuel? Que nous disent les études les plus récentes? Et enfin, mais nous en avons largement parlé précédemment, mesdames et messieurs, en février 2022, une nouvelle chronologie des médias est entrée en vigueur. De nouvelles négociations commenceront dès 2024. Pouvez-vous nous indiquer encore plus clairement quelles sont les tenues des discussions et les négociations à venir? Je vous remercie. Merci. Alors, ce n'était pas tout à fait la fin, en fait. Il y a Frédéric Maillot pour GDR.
Merci Madame la Présidente, merci à tous pour l'organisation de cette table ronde. Très récemment, j'ai eu l'occasion de célébrer la production réunionnaise avec le film Sweet Dream, où Laurent Médéa, un réunionnais, était le producteur exécutif. Et ce film est nominé aux Oscars pour cette année. C'est une fierté pour nous, réunionnais. Mais derrière le succès réunionnais, il y a beaucoup, beaucoup trop d'obstacles, de luttes restent à mener pour que la production du film réunionnais soit élevé au rang d'industrie. Vous le savez, on le sait tous ici, que quand on parle cinéma, le nerf de la guerre, eh ben, c'est l'argent. Et dans cette ambition qui guide les producteurs à vouloir produire local avec nos paysages, avec notre patrimoine historique, mais avec aussi ce savoir-faire qu'il y a chez nous, les moyens financiers ne suivent pas. À l'heure actuelle, le crédit d'impôt sur le cinéma est insuffisant pour répondre aux attentes et aux besoins de nos producteurs. Aujourd'hui, ce crédit d'impôt est de 30%, n'est qu'à 30%, c'est-à-dire à peine la moitié des frais engagés par les producteurs qui sont remboursés. C'est pourquoi je serai pour une augmentation de ce crédit d'impôt à minimum 50% pour garantir la pérennité de la production locale. Merci. Merci beaucoup. Je reviens vers vous maintenant pour avoir des réponses. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire 5 minutes vraiment par structure. Voilà, parce qu'après, il y a encore d'autres questions et je pense que déjà dans vos propos liminaires, vous avez répondu à une partie des interrogations que vous avez eues par les collègues. Et voilà, donc 5 minutes. Et par vous, monsieur Enrard. Bien. Alors, je fais rapidement quelle réforme des aides, quelle piste. Donc là, je crois que la question est adressée davantage aux organisations professionnelles sur leurs desiderata. Sur la baisse de la part de marché des films français, en réalité, sur le temps long, ça n'est pas avéré. C'est-à-dire qu'effectivement, on a atteint des sommets pendant le Covid. Hein, on tutoyait 60%. Là, on est un petit peu en dessous des 40%. Mais en réalité, sur le long terme, c'est le positionnement du cinéma français. Donc, à ce stade, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Je veux dire, en réalité, la fourchette habituelle des 30 dernières années, c'est entre 35 et 42%. Voilà. Donc, on est tout à fait dans les purs. L'entre-soi des commissions, pardon, alors c'est un très vieux sujet. La Cour l'a souligné depuis 2011, depuis son dernier rapport. Le CNC a fait beaucoup d'efforts en la matière, notamment en rendant plus explicite des règles de déontologie, notamment de déport, qui étaient déjà pratiquées de fait par les membres des commissions pour éviter les conflits d'intérêts. Mais désormais, on les a rendues tout à fait, encore une fois, explicites en faisant signer à chaque membre des commissions des engagements à ce titre pour organiser justement l'évitement des conflits d'intérêts. La question, le CNC doit-il aider des entreprises dont la majorité du capital est détenue par des capitaux extra-européens ? Alors, c'est une question qui appelle une réponse subtile, puisque évidemment, on est pris entre deux nécessités, si je puis dire. D'un côté, la nécessité de financer les entreprises de production, qui sont sous-financées, sous-capitalisées en France, puisque c'est un réseau pour l'essentiel de petites, voire de très petites entreprises, pour qui l'accès au financement privé n'est jamais totalement évident. Donc, on ne peut pas totalement afficher une position qui soit un repoussoir pour les capitaux privés, y compris les capitaux extra-européens. Voilà. D'un autre côté, effectivement, ce qui est dit sur la remontée de valeur vers des pays qui ne sont pas des pays européens et la France, c'est une vraie question. Donc aujourd'hui, la position qui est celle du CNC, c'est une position moyenne, c'est-à-dire que le CNC aide l'ensemble des entreprises qui sont contrôlées depuis la France ou l'Union européenne, étant entendu que la détention du capital n'est pas le critère exclusif du contrôle. C'est-à-dire qu'on considère que le pouvoir de décision économique et artistique peut rester entre les mains de Français, alors même que le capital est détenu majoritairement par des extra-européens, parce que les pactes d'actionnaires, parce que la gouvernance interne de l'entreprise à réserver le pouvoir de décision artistique et économique aux Français. Donc lorsque c'est ce cas-là, nous aidons. Lorsque on n'est pas dans ce cas-là, on n'aide pas. Et d'ailleurs, pour que les entreprises et leurs investisseurs potentiels sachent à quoi s'en tenir, le CNC a pris l'habitude de délivrer quelque chose qui ressemble à un rescrit pour faire savoir si les montages financiers envisagés sont susceptibles ou pas de bénéficier des aides du CNC. Et on a eu l'occasion, je peux vous le garantir, de refuser un certain nombre de montages envisagés par des entreprises de production française
qui appelaient au secours de leur financement des capitaux américains. Donc on essaye de tenir la balance égale entre ces deux types d'exigences. France 2030 et la place de la production indépendante dans ce plan d'investissement. Ça, c'est un sujet absolument essentiel, et vous avez raison de le souligner. Lorsque l'appel d'offres a été rédigé, nous avons pris soin de réserver le soutien à des projets de studios qui ne sont pas des studios propriétaires. Autrement dit, s'il y a une grande entreprise qui vient nous voir en expliquant qu'elle veut financer le développement d'un magnifique studio, mais que ce studio sera réservé à ses propres productions, eh bien, la réponse est non. Voilà. Donc nous n'aidons que des studios en modèle économique ouvert et notamment donc accessibles aux entreprises de production indépendantes. Alors, la commercialisation des films, la perte de diversité. Bon, là, je ne voudrais pas trop me répéter, mais et assommer l'assistance de chiffres, mais les films d'initiative française, d'ailleurs, ça a été rappelé, en 1990, il y en avait 100. Aujourd'hui, il y en a 200. Hein, donc, en réalité, historiquement, depuis... Alors, on a regardé les statistiques depuis 30 ans, donc on n'est pas remonté depuis 1945, mais en réalité, la diversité n'a jamais été aussi importante s'agissant de l'offre de films français. Donc, on a un petit peu de mal à objectiver cette crainte lorsqu'elle est formulée. Et évidemment, on n'est pas sourd aux alarmes, on n'est pas sourd aux craintes, donc on est tout prêt à discuter de ce sujet. Mais encore faudrait-il que ce type de discours puisse s'accrocher à un début de données objectives. Et je le rappelle, 40% des films d'avance sur recettes soutenus sont des premiers films. Donc en réalité, là aussi, on est constant dans la longue durée, voire au-dessus des niveaux moyens des 30 dernières années. Le bilan des obligations d'investissement des plateformes, ça, c'est à l'ARCOM, qui est l'autorité en charge, qu'il appartient de le dresser. Simplement, les éléments dont nous disposons d'ores et déjà, en information ouverte, c'est que, pour ce qui concerne les obligations audiovisuelles, en réalité, ces obligations sont respectées en quantité et en qualité. Les choses sont manifestement plus compliquées du côté du cinéma, mais en tout cas, vous pouvez compter et sur l'ARCOM et sur le CNC pour être très vigilant là-dessus. Le fait d'être globalement respectueux de ces obligations explique que nous ayons ouvert au 1er janvier 2023 l'accès aux aides du CNC aux productions audiovisuelles commandées par les plateformes. La diversité des financements, pardon, j'essaie de faire vraiment très court, mais il y a beaucoup de questions. La question de la diversité du financement, elle a été soulevée, elle est effectivement essentielle, parce que le cinéma français est fort, c'est précisément parce qu'il peut pianoter sur une gamme extrêmement large de financement privé et de financement public. C'est ça la clé, en réalité, de la robustesse du modèle. Côté financement public, en réalité, on a trois sources. Les aides du CNC, elles n'ont jamais été aussi élevées, historiquement parlant. Les obligations d'investissement, elles n'ont jamais été aussi importantes grâce à l'intégration des plateformes. Et les crédits d'impôt qui en sont venus aujourd'hui à jouer un rôle absolument essentiel, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque la dépense fiscale brute, puisque la dépense fiscale nette, c'est la dépense fiscale brute moins les rentrées fiscales générées par les tournages, par les productions financées par ce crédit d'impôt. Donc c'est vrai que cette dépense fiscale brute, elle n'a jamais été aussi importante. Mais cette nouvelle forme de soutien public, je dois dire que c'est probablement la mieux documentée, en termes de retombées, à la fois de retombées artistiques, économiques. On est capable de tracer la moindre heure de tournage, le moindre euro dépensé dans le cadre des productions audiovisuelles et cinématographiques. Donc c'est un outil absolument essentiel à la diversité de financement auquel on est très attaché, et notamment le crédit d'impôt international, qui est un élément essentiel de compétitivité du modèle français par rapport à ses principaux concurrents. Les critères de l'art et essai. Alors, en deux mots, parce qu'il s'agit d'un sujet particulièrement complexe, l'idée, parce que en réalité, la concertation avec les organisations professionnelles, elle va s'ouvrir. Donc, en réalité, rien n'est décidé au moment où je vous parle. Mais l'idée n'est absolument pas de faire sortir de la classification art et essai un certain nombre de cinémas. L'idée, c'est d'aider davantage les cinémas qui font mieux. C'est-à-dire, en termes de programmation, c'est d'aider plus les mieux-disants que les moins-disants, mais en aucun cas de faire sortir de la classification, de faire sortir du label un certain nombre de cinémas.
le chiffre de 2% des films d'avance sur recette qui seraient rentables. D'abord, vous avez constaté vous-même qu'en réalité, la question de la rentabilité ne s'apprécie pas uniquement au regard du succès en salle. Ensuite, il y a toute la vie du film. Et puis, en réalité, l'avance sur recette, c'est un dispositif de soutien sélectif parmi d'autres. Et les dispositifs de soutien sélectif, c'est un dispositif de soutien du cinéma parmi d'autres. Donc là, encore une fois, en réalité, lorsqu'on parlait des films de moins de 10 000 spectateurs, on parlait de 1,2% des aides du CNC. Et là, je crois qu'il ne faut pas, en réalité, tirer un tableau complet à partir des retombées en salle obtenues par les seuls films d'avance sur recette. La gouvernance du CNC, et sa capacité, la capacité de l'État à piloter cet organisme à la fois volumineux et puis doté d'une expertise certaine. Tout le paradoxe du CNC, en réalité, c'est que le directeur général ou le président du CNC, c'est les seuls patrons d'opérateurs publics qui, tous les lundis après-midi, font la réunion de direction du directeur de cabinet de la ministre. Parce que le CNC, c'est aussi, ça a été rappelé par le député Bataillon, une administration centrale. Donc, en réalité, le CNC, c'est le seul opérateur qui n'est pas placé uniquement sous la tutelle de l'État, mais qui est placé sous l'autorité directe de la ministre de la Culture. Donc, en réalité, le lien de subordination du CNC à l'égard du ministère, il est beaucoup plus fort que celui de tous les autres opérateurs. Simplement, c'est vrai que le CNC, c'est gros, le CNC, c'est compliqué. Donc, il faut que chacun, de part et d'autre, soit en mesure de mobiliser le temps de cerveau disponible pour assurer une parfaite fluidité des échanges et de l'information. J'en ai presque fini. Est-ce que les plateformes vont vider les salles de cinéma? On voit bien, en réalité, que la réponse, c'est non. Le cinéma propose une expérience unique. Et en réalité, les gens vont dans les salles de cinéma s'il y a une offre qui est à la hauteur de leurs attentes. En réalité, la vraie leçon, la grande leçon du Covid, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les films sont là, le public est au rendez-vous. Alors, évidemment, il y a des difficultés frictionnelles. La question de la complémentarité des écrans, c'est une question tout à fait délicate. Mais en tout cas, on voit bien, et voilà, il a été rappelé que très justement par la SACD et par le député Bataillon, qu'aujourd'hui, ce sont les plateformes en réalité qui se rapprochent du modèle de diffusion en salle de cinéma, parce qu'elles ont fini par constater que c'est un lieu unique, à la fois de promotion des œuvres et en même temps de rentabilisation. Voilà. Et enfin, un mot pour conclure, et ensuite je n'ouvre plus la bouche, c'est promis. Il y a 3 jours, j'étais à Saint-Sébastien, pas seulement pour voir d'excellents films, il y avait d'excellents films français, mais aussi parce que nous réunissions un organisme qui s'appelle l'EFAD et qui est la réunion des 36 CNC du Conseil de l'Europe. Bon. Et donc, cet organisme, c'est une enceinte absolument précieuse pour nous permettre de faire remonter de ces 36 pays l'état des réflexions politiques, l'état des discussions au Parlement et dans les gouvernements, s'agissant des législations applicables au cinéma, d'applicables au soutien à l'audiovisuel, etc. etc. Et en réalité, j'aimerais que les parlementaires que vous êtes puissent assister à une réunion de cette nature pour constater la puissance du modèle français en termes de soft power. C'est-à-dire qu'en réalité, nous siégeons dans cette enceinte où chacun des pays vient nous rendre compte à peu près tous les 4 mois de l'avancée du modèle de transposition de la directive SMA que nous avons réussi à accomplir en France. C'est-à-dire que le camarade estonien, le camarade allemand nous explique que voilà, la loi en est là et les obligations d'investissement, ça va être temps et que le texte est en navette entre les deux chambres, etc., etc. Et qu'on a réussi à faire passer le taux d'obligation cinéma de X à X% et le taux d'obligation audiovisuelle de X à X%. Nos amis allemands, en réalité, ça paraissait absolument hors de portée il y a 3 ans, notamment compte tenu de la structure fédérale de l'Allemagne, où les compétences sont réparties entre le niveau fédéral et les Länder, d'avoir des obligations d'investissement en Allemagne, en réalité, on y est presque. C'est-à-dire que nos homologues allemands ont reçu pour instruction du gouvernement fédéral de préparer un texte qui va comporter des obligations d'investissement cinéma audiovisuel. Voilà. Donc, je voulais quand même terminer sur cette touche-là pour vous dire que tout ce dont on est en train de discuter là, alors effectivement, ça suscite des interrogations et il faut continuer à s'interroger pour que le modèle demeure performant. Mais si on se compare, si on prend un petit peu de distance, il faut prendre la mesure de la capacité d'attraction
que ça revêt à l'égard de l'ensemble des autres cinématographies européennes et au-delà, puisque, par exemple, l'exemple le plus parfait de transposition de notre modèle, c'est en Corée du Sud. Voilà. Pardon, j'ai 8 minutes. C'est bon, ça fonctionne. Monsieur Regard, si vous voulez... Merci. Bah, parler avec Olivier, qui a fait un point général, ça me permet de raccourcir quand même l'intervention. Sur le, alors, moi, d'abord, je me réjouis de voir que la représentation nationale soutient le cinéma. On voit que c'est important et que toute la politique publique qui a été menée par les gouvernements, d'ailleurs, qui n'étaient pas de la même couleur, est une politique qui réussit. C'est ça qui est important. Bon. Quentin Bataillon nous a demandé sur le régime des aides. Moi, je pense que quand il y a des aides, il faudrait à peu près tous les 3 ans, quand on en crée une, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas et réajuster. Voilà, c'est, le système français, il est composé de quelques aides extrêmement importantes et structurantes, comme l'aide à l'exploitation, à la production, à la distribution... pour les aides sélectives, l'avance sur recette, puis de l'autre côté, il y a tout le système audiovisuel, et puis d'une multitude d'aides plus petites qui ont été créées parce qu'il y avait un problème. Et on ne regarde pas forcément, quand le problème a été réglé, si l'aide ne doit pas être réévaluée. C'est ça le sujet, mais ça ne sont pas les grandes aides structurantes. Sur les grandes aides, de mon point de vue, et là, je ne vais pas parler en corporatiste pour les auteurs, je pense que l'aide qui devrait être augmentée, c'est l'aide à la distribution, parce que la distribution en salle me paraît être le maillon le plus faible du système du cinéma français. On le voit bien, les producteurs, quand ils veulent faire un film, il faut qu'ils trouvent un distributeur. Et malheureusement, les distributeurs ne sont pas si nombreux que ça. Et les résultats du film en salle dépendent du film, bien sûr, mais aussi de la manière dont on le présente, dont on fait la promotion et des moyens que l'on met sur cette promotion. Donc pour moi, c'est sur l'aide à la distribution que devrait être porté l'effort. Sur la chronologie des médias, bon, je rejoins ce qu'a dit Manuel Alduy. Le problème, c'est sa rigidité absolue. Mais je vous dis en tant que parlementaire, si vous voulez comprendre quelque chose à la chronologie des médias, ne vous contentez pas de lire l'accord sur la chronologie des médias. Lisez aussi l'accord conclu par Canal+ avec la profession du cinéma. Tout est dit avant. Bon, c'est intéressant. Lisez cet accord. Vous verrez, vous apprendrez peut-être certaines choses. La chronologie des médias, si un film, je prends un exemple, n'est pas produit, enfin n'a pas d'investissement ou de Canal+ ou d'OCS, comme l'a dit Emmanuel, même s'il fait des résultats médiocres en salle, il devra attendre très longtemps. C'est pas normal. Ça fait du tort qu'aux films, aux auteurs, parce qu'ils doivent attendre leur revenu. Et puis, quand on dit que la chronologie des médias, elle est fonction du niveau d'investissement de l'opérateur dans le cinéma, il y a une petite exception. Ça s'appelle OCS. OCS avait un engagement d'investissement dans le cinéma français de 40 millions. Compte tenu de leurs difficultés, ils sont passés à 20 millions. Et ils ont été récompensés de cette baisse en obtenant un rabais de chronologie en passant de 8 mois à 6 mois. Mais peut-être était-il anticipé un rachat par un opérateur. Voilà, c'est tout. Je trouve que la chronologie, heureusement qu'on l'a, et c'est une bonne chose, c'est normal de protéger l'investisseur le plus important. Mais ce n'est pas normal qu'il y ait une telle rigidité qui, dans certains cas, peut pénaliser des films plus difficiles. Et si vous réfléchissez sur les plateformes, quand vous obligez les plateformes à investir dans le cinéma, parce que c'est une obligation du décret, plus vous mettez le film à diffuser loin, moins vous l'encouragez à produire des films de la diversité. C'est-à-dire vous l'encouragez à produire plutôt des films à gros budget, où elle pourra attendre et qui aura encore une notoriété au moment où le film sera diffusé. Voilà. Après, ce qui est intéressant dans tous ces débats, c'est qu'il y a des éléments complètement contradictoires et je trouve formidable que le rapport de la Cour des comptes qui parle de politique nataliste soit tombé en même temps que les critiques des professionnels qui parlent de l'ultralibéralisme du CNC qui n'a jamais existé. Merci beaucoup. Monsieur Jolivet ?
Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord répondre à ce qui s'est dit et aux commentaires qui ont été faits sur la société et les sociétés extra-européennes qui prennent la majorité. Je suis désolé de l'ancien monsieur Horard, mais nous sommes un pays capitaliste. Vous venez de l'apprendre, je vous l'apprends, puisque ces sociétés ont cherché à racheter des sociétés et certains directeurs ont dit, de présidents de ces sociétés, ben, écoutez, je vous vends 45%, 49%. Et non, ça ne nous intéresse pas 49%. On veut 51%. Je crois que ceux qui rachètent ces sociétés ont bien compris ce que c'était le monde capitaliste. C'est celui qui possède la majorité qui décide. Quand vous parlez d'un contrôle artistique, personnellement, je ne connais pas de loi, je ne connais pas de juridiction qui traite sur le contrôle artistique. Ça n'existe pas. Donc là, nous sommes vraiment dans un danger de mort, je le dis officiellement. C'est pour ça que nous faisons un recours devant le tribunal administratif. Il est très important que nous soyons extrêmement rigoureux sur ce sujet, car demain, si nous laissons faire des sociétés américaines qui prennent pendant un temps 51, mais qui quand même donnent une sorte de golden share pour avoir un contrôle vis-à-vis du CNC, mais c'est un peu artistique, enfin tout ça, c'est absolument pas... Enfin voilà, nous avons le prouvé dans notre recours. Vous pouvez bien imaginer que c'est un cheval de Troie. Moi, je suis Netflix, Disney. Demain, j'ai compris qu'en prenant 51% de sociétés françaises, bah, je peux avoir accès aux aides françaises. Et donc, il n'y a aucune raison que Netflix, Amazon, Disney ne créent pas leur filiale, qui a 51%, mais le contrôle est visiblement à des Français. Voilà. Donc là, vraiment, nous sommes... C'est d'ailleurs pour cette raison que les organisations de cinéma, unanimement, nous sommes absolument... tous ensemble pour faire ce recours, car nous pensons que c'est un problème existentiel. Voilà. Et évidemment, nous ne lâcherons pas sur ce sujet. Le deuxième sujet, vous êtes revenu souvent sur la France 2030. J'y vois aussi une corrélation sur les deux sujets. Vous nous annoncez que c'est formidable, France 2030, et c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais on se rend compte que dans les apports, la production est très sous-financière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup pour les studios, pour les structures, mais au niveau de la production et de la production indépendante, il n'y a pas grand-chose. Donc peut-être l'idée, c'est de ne pas mettre grand-chose dans France 2030, mais d'ouvrir la porte aux Américains pour qu'ils puissent prendre possession du financement du cinéma français. Je ne sais pas si c'est ça l'idée, mais enfin, ce n'est pas une bonne idée du tout, du tout, du tout. Il valait mieux mettre de l'argent dans France 2030 pour la production et préserver le système d'aide aux sociétés véritablement françaises ou européennes. Troisième remarque, pour être rapide, sur les aides du CNC. Je vais reprendre un exemple personnel. Je travaille depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait à peu près tous les métiers. Animateur de télé, animateur de radio, avant de trouver ma vocation à 30 ans de faire des films. De tous les métiers que j'ai faits, le plus difficile, le plus ingrat et le plus mal payé, c'est auteur. Voilà. Et donc, je pense que la vraie faiblesse du cinéma français, elle reste chez les auteurs. Nous sommes en face d'Américains, d'Anglais, pour qui le financement de l'auteur est entre 5, 8, 10% du budget du film. Évidemment, ce n'est pas au niveau du coût de la production que nous allons pouvoir rivaliser avec les Américains. J'ai sorti mon film en face de... Je prends un exemple vécu, mais c'est bien les exemples vécus. J'ai sorti mon film en face de Indiana Jones, de Barbie et de Oppenheimer, qui au total, bon, c'est, je crois, 360 millions de dollars. Bon, mon film a été fait pour 3,4 millions d'euros. Évidemment, c'est sportif. Et là, on est vraiment en face de David et Goliath. Mais c'est normal, c'est des marchés mondiaux, ils font des films pour très cher. Je crois que c'est très important, et nous en avons la preuve avec le film de Justine Triet, nous en avons la preuve avec le film de Jeanne Herry. Je verrai toujours vos visages. C'est dans la force de l'écriture que réside l'originalité. Et donc, plus on aura des écritures qui seront solides, plus les auteurs auront le temps de travailler, plus les scénarios seront forts, originaux et travaillés, plus nous garderons nos chances de rester compétitifs. Donc, dans le régime d'aide, moi, personnellement, c'est toujours sur ce sujet que je reviendrai. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Missonnier. Oui, merci, Madame la Présidente. Je ne peux que abonder dans ce qu'a dit Pierre à propos de la question de la détention capitalistique des sociétés. Je me permets d'y revenir parce que c'est important de souligner que pour nous, enfin, j'ai bien entendu l'argument du CNC, qu'il fallait naviguer entre deux intérêts contradictoires. Pour nous, sur ce sujet-là, il n'y a pas de compromis possible. On ne peut pas naviguer. Il faut trancher de façon extrêmement claire.
Voilà. Et donc là-dessus, il n'y aura pas de compromis de notre côté, et toutes les organisations du cinéma sont absolument unanimes. Voilà. Donc je partage et j'abonde dans ce sens. Pour répondre à la question de la dérive libérale du système de financement que vous avez en particulier posé, madame, il faut souligner qu'au-delà des déclarations évidemment un peu choc qui ont été faites au moment du Festival de Cannes et par d'autres, hein, comme vous avez souligné, que les organisations de producteurs, il y en a trois en fait en France, et ces producteurs représentent l'ensemble du spectre du cinéma, aussi bien des gros blockbusters que des tout petits films d'auteur, enfin vraiment, et que l'ensemble de ces organisations a contesté ce que dénonce Justine Triet, dont j'ai par ailleurs absolument aimé le film. Donc il n'y a pour nous pas de dérive libérale du système de financement. Le film de Justine Triet est le parfait exemple de la politique du CNC. Elle est elle-même le produit de cette exception culturelle, puisque son premier film a fait très peu d'entrées, a fait partie de ces films qui font très très peu d'entrées au début et qui, parce qu'il y a un système de soutien, ben l'auteur peut quand même grandir, faire d'autres films et finir par gagner une palme d'or historique et faire des entrées. Donc, je ne crois pas qu'il faille parler de dérive libérale du système. Il faut évidemment être attentif, bien sûr, évidemment. Il faut être toujours sur nos gardes, parce que c'est un bien précieux que nous chérissons tous. Et donc, on est effectivement à l'affût, comme on l'est d'ailleurs sur la question des tensions capitalistiques, par exemple. Sur la question qui a été posée sur la chronologie des médias, en disant mais finalement c'est quoi l'objectif de cette nouvelle chronologie des médias qui va être discutée. Bien sûr que du point de vue du spectateur et du téléspectateur, la chronologie des médias telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'est évidemment pas idéale. Dans un monde idéal, le spectateur aimerait avoir tous les films disponibles tout de suite, en fait. Sauf que ça, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, dans les pays qui n'ont pas cette chronologie des médias rigide que nous avons en France, ce n'est pas ça qui se passe. Dans les pays qui n'ont pas de règles imposées par les pouvoirs publics ou les professionnels, puisque je rappelle que la chronologie des médias est un accord interprofessionnel, finalement, il y a un système qui est très proche. Alors, avec pas forcément les mêmes fenêtres, le même séquençage de la diffusion des œuvres, mais qui, grosso modo, respecte peu ou prou ce qu'en France, on a instauré. Donc, bien sûr qu'elle n'est pas idéale, oui, il y a certainement des choses à corriger, mais pas au prix de, finalement, déstabiliser des acteurs qui financent la création. Et, encore une fois, je le rappelle, cette chronologie des médias, elle a été conçue. Alors évidemment, c'est complexe à lire, mais il est tout à fait possible pour un opérateur étranger, comme une plateforme américaine, d'avancer dans la chronologie des médias. C'est parfaitement prévu dans cette chronologie des médias. C'est possible, à la condition que cet opérateur participe au financement de la création cinématographique. Voilà. Donc évidemment, et quand je dis participe, je ne parle pas seulement en valeur absolue pour répondre à l'argument de Pascal Regard sur OCS, mais c'est aussi en pourcentage de son chiffre d'affaires. C'est un peu technique, mais finalement, c'est de montrer, soit par un montant en valeur absolue, soit par un montant en valeur relative, qu'on finance la création cinématographique et les films. Voilà. Donc c'est ça qu'on aura à cœur pour essayer de, effectivement, sans doute rediscuter de cette chronologie des médias et voir quels aménagements on peut trouver. Est-ce qu'il faut répondre intégralement à ce que soulevait Emmanuel Alduy sur faire des exceptions? Je n'en sais rien. Ça implique beaucoup d'organisation. On verra bien à quoi on aboutit. Voilà. Je crois que sur les autres sujets, je pense que mes camarades ont répondu aussi aux questions. Merci. Merci, Monsieur Gérard. Oui, alors, en tant que opérateur de télévision payante, nous, le positionnement qu'on a, c'est d'abord de rappeler qu'on est sur une industrie de prototypes. Je crois que c'est Emmanuel qui a dit ça, mais si on avait la recette pour un film qui fonctionne, qui trouve son public, quelle que soit sa catégorie, on serait
tous ou producteurs ou exploitants en salle, mais en tout cas, c'est complexe et chaque film qui se propose à nous pose des questions. On a un certain nombre d'interlocuteurs extrêmement variés. Par exemple, l'année dernière, Canal+, on a travaillé avec 92 producteurs indépendants différents dans l'année pour à peu près 110 films préfinancés. Donc, et chaque modèle économique, modèle éditorial est différent. Et donc, cette complexité pose question et amène aussi de la complexité dans le système d'aide, de soutien du CNC qui est extrêmement important. Donc, on n'est pas dans une industrie avec des lignes de fabrication. Voilà, on est au mix de l'artistique et avec des enjeux financiers importants. C'est ça qui rend nos métiers passionnants, mais c'est ça aussi qui rend à la fois complexe et difficile d'avoir des cadres trop stricts et trop qu'on peut dérouler comme ça sur des modèles. Après, bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, on a l'occasion, nous, de voyager à l'étranger, de rencontrer des cinéastes d'autres géographies, et ils sont tous extrêmement admiratifs de l'écosystème français, entre opérateurs privés et publics, entre soutien, aide et investissement d'argent privé. Et donc ça, c'est aussi à souligner que derrière cette complexité, il y a quand même un système qui fonctionne, qui peut être amélioré, certainement le travail qui est initié par le CNC de revue des aides. Évidemment, on parle d'argent public, donc on ne peut qu'être attentif à la manière dont il est dépensé, mais au quotidien, on voit quand même qu'il y a une attention à l'argent public et que le système d'aide fonctionne. Pour revenir sur Justine Triet ou d'autres aussi, c'est rappeler que il y a plein de premiers films, effectivement, qui... Justine Triet, le groupe Canal l'a suivi sur son premier moyen-métrage au Festival de Brive il y a 15 ans. Ensuite, elle avait un premier film qui a été préfinancé par nos chaînes thématiques Ciné+. Ensuite, elle a fait des films Victoria, etc., qui ont été financés toujours par Canal+, puis par le service public. Et donc, on a comme ça un auteur qui a été accompagné à la fois par du soutien public et des opérateurs privés qui ont soutenu ces films. Et voilà, on peut citer beaucoup de réalisateurs français qui ont suivi ce chemin-là d'un soutien public jusqu'à un succès ensuite plus important. Sur la chronologie des médias, bon, beaucoup de choses ont été dites par Marc et par Pierre, mais effectivement, c'est pas l'enjeu, c'est d'assurer le financement de l'exception culturelle et que à chaque place dans la chronologie des médias, la place reflète la valeur économique qui est investie par les différents opérateurs. Marc l'a très bien rappelé, mais aujourd'hui, toutes les plateformes étrangères peuvent avancer dans la chronologie des médias sous réserve qu'elles investissent bien plus qu'elles ne font aujourd'hui dans le cinéma. Et par ailleurs, sur les œuvres, aujourd'hui même, il y a des œuvres qui sont financées par un distributeur en salle et par une plateforme et qui ne passent pas par la case de télévision payante. Le film de Mai Wen, Jeanne Dubarry, qui a été présenté à Cannes, est sur ce modèle-là. Donc, il n'y a pas de télévision payante. Le film sort en salle, est sorti en salle avec succès et sera proposé chez Netflix à 15 mois. Donc, les systèmes et une forme de flexibilité, peut-être pas suffisante, peut-être pas parfaite, mais sont déjà en place. Et effectivement, il y a un enjeu pour l'année prochaine, et les discussions vont pas tarder à débuter, de amélioration et d'amélioration et de trouver comment mieux appréhender certaines situations. Mais globalement, le financement est là. Merci, Monsieur Aldoui. Merci. Du coup, on s'est un peu éloigné des questions. Pour répondre à des questions sur la rentabilité, et puisque un certain nombre de vos questions touchaient au volume de films, est-ce qu'on n'en fait pas trop, que penser du rapport de la Cour des comptes? Bon, cette table ronde, elle était sur la création cinématographique. Je pense qu'on a été influencé par le rapport de la Cour des comptes il y a 8 jours, qui a ramené le sujet uniquement sur une rentabilité économique. Et un des enjeux pour nous, diffuseurs publics, mais je pense que je le partage avec les diffuseurs privés, c'est de faire comprendre que la rentabilité du cinéma, elle est aussi culturelle, intellectuelle, elle ne se juge pas uniquement au rapport de l'argent investi dans un film comparé au nombre d'entrées en salle pendant sa première vie. Je vous donne un exemple, puisqu'on prend tous des exemples autour de Justine Triet.
La bataille de Solferino, qui était son premier long métrage, qui a fait 26 000 entrées à l'époque. Donc peut-être qu'à l'époque, en 2013, il a été dans un des rapports du CNC, de la Cour des comptes, pardon, pointé du doigt comme étant pas assez rentable, même s'il avait le soutien de Ciné+. On l'a racheté 10 ans après. On l'a diffusé à la demande sur France.tv pendant 4 semaines. On a dû lui amener 60 000 téléspectateurs en moyenne de plus, 10 ans après. Et il va continuer de vivre. Il y a des films qu'on achète aujourd'hui. Je ne regarde même pas leur score en salle il y a 30 ou 40 ans quand on les a diffusés. Donc on devrait collectivement sortir du prisme de l'analyse instantanée, immédiate. C'est pas ça qu'on est en train de faire en fait collectivement dans cette industrie. On ne produit pas des films, à la différence des produits télévisuels qui restent peu dans la mémoire. Le cinéma, lui, reste très longtemps. Il y a énormément de salles de cinéma qui font des reprises en salle. La bataille de Solferino, encore elle, est ressortie en salle cet été. Et on n'a pas interrogé le rapport que le coût de ce film avait eu avec les aides et les investissements des diffuseurs de l'époque. Donc ça, c'est sur le sujet de la rentabilité au global. Il y a des fragilités que le rapport de la Cour des comptes n'adresse pas et que vous avez un peu pointé dans certaines de vos questions et que les personnes ici présentes ont également dit, c'est qu'aujourd'hui, le coût des productions des films ne baisse pas, il augmente. Les financements, donc c'est-à-dire que l'argent que les 10 différents partenaires peuvent amener en financement pour que ces films se fassent, n'augmente pas. Le financement des chaînes privées, Canal+, le service public, TF1, M6, Arte est stable. Le CNC a eu une manne bienvenue parce que les plateformes ont été intégrées au système, c'est très bienvenu, mais ça va atteindre un plateau. Il ne faut pas oublier que cette manne, elle va d'abord ultra majoritairement à la production audiovisuelle, pas au cinéma. Le dernier point de fragilité dont on a peu parlé, Pascal Rogard l'a mentionné, les distributeurs mettent moins d'argent dans les films en amont, c'est le maillon le plus fragile. Les distributeurs investissent sans filet dans les films en amont et ensuite doivent redépenser des frais de commercialisation quand les films sortent. Si vous avez regardé le dernier rapport du CNC sur la production 2022, l'apport des distributeurs, je ne vais pas dire que c'est effondré, mais il a énormément chuté. Ça, c'est un élément de fragilité pour les producteurs et pour la création. Donc il y a des fragilités réelles qui ne sont pas sur le nombre de films, la complexité des aides qui pèsent 5% du budget du CNC. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on va financer nos films demain pour continuer juste à en faire à peu près 200. Certains vont marcher immédiatement, d'autres pas. Mais on les retrouvera peut-être plus tard dans la... Si le service public est encore là dans 40 ans, vous les regarderez sur France Télévisions dans 40 ans. C'est ça nos sujets de fragilité, je pense, de l'industrie collectivement. Et sur la chronologie des médias, bon, je suis en désaccord avec mes camarades, sauf sur un point, c'est qu'il en faut une relativement encadrée, mais pas aussi rigide. Si la chronologie était plus souple au-delà des premières fenêtres, de la fenêtre de Canal+, et de la fenêtre de la salle, bien sûr, si elle était plus souple après, on pourrait faire des paris différents en termes artistiques, qui permettrait une plus grande diversité des financements et des solutions de financement, qui était un des points de Madame la députée tout à l'heure. Ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire, puisque les financements sont encadrés dans des fenêtres. Certaines ont plus de concurrence que d'autres. Certaines en ont beaucoup moins que d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons reprendre une autre série de questions. Et après, par contre, on ne refera pas un tour de table de 5 minutes, mais chacun pourra... se manifester s'il souhaite répondre à une ou une autre question suivant l'interpellation, si elle vous concerne plus directement ou pas. Céline Calves pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Merci aux représentants de la filière du cinéma. On voit que des auteurs jusqu'aux diffuseurs, tout le long du film, on a votre avis. Tout ça dans un contexte, et mes collègues l'ont rappelé, qui est plutôt marqué par beaucoup de positifs, avec des succès en salle ou alors des retrouvailles qu'on peut faire aussi sur des films. Je voulais évoquer 2 points avec vous. C'est sur les aides, pas forcément reprocher leur complexité, mais explorer des voies sur le conditionnement des aides. Vous avez parlé, Monsieur Jolivet, de la détention du capital comme étant un critère
critères de dépendance ou d'indépendance. Je crois qu'il faut effectivement quand même investiguer ce sujet-là en critères de souveraineté. Vous avez pointé les différentes interprétations au niveau européen et au niveau français. Je pense que ce n'est pas uniquement la détention du capital qui fait l'indépendance, mais je pense que ça mérite quand même qu'on se pose la question. Deuxième, sur le conditionnement des aides, c'est sur la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes. On a vu que les aides étaient conditionnées à une formation. On a eu aussi les bonus parité. Je voulais avoir votre avis sur l'élan pour plus d'égalité que ça avait pu susciter. Enfin, je voulais, sur le conditionnement des aides, voir dans quelle mesure on pouvait creuser le fait que la valeur des auteurs puisse y être aussi consacrée. Je n'aurai pas le temps de développer le deuxième sujet, mais on aura l'occasion d'en discuter à un autre moment. Je vous remercie. Oui, je rappelle que c'est une minute, contrairement aux orateurs à la première série de questions. Bénédicte Ozanneau pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Sur les 6 premiers mois de l'année 2023, 91,8 millions de places de cinéma ont été vendues, soit une progression de 26% par rapport à 2022. Ces résultats a priori positifs masquent une disparité très importante puisque seuls 10% des films ont franchi la barre des 500 000 entrées. Il y a notamment une inquiétude sur le cinéma français dit d'auteur. Cette polarisation limite les capacités de la distribution française à financer les productions. À terme, le risque est que le cinéma français connaisse la même trajectoire que celle de nombreux voisins européens, c'est-à-dire un déclin inéluctable. Nous assistons à un écart de plus en plus important entre quelques films surexposés, le plus souvent américains, et de nombreux autres qui ne sont diffusés que dans quelques salles et dont certains ne restent que quelques jours à l'affiche. Une des forces du cinéma français résulte dans la diversité de l'offre de films diffusés sur tout le territoire. Ce modèle risque d'être remis en cause. Quelles solutions préconisez-vous pour redonner de l'attractivité à la création cinématographique française et lutter contre la polarisation des fréquentations des cinémas? Je vous remercie. Merci. Je vais laisser la parole à Idir Bourmertit, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous d'être présent aujourd'hui. L'intelligence artificielle apparaît de plus en plus dans le processus de création cinématographique. Elle concerne des domaines extrêmement variés, tels que l'aide au projet, le doublage, la génération de foule dans une scène, ou encore le vieillissement ou le rajeunissement de visage. Le CNC finance d'ailleurs le développement de l'intelligence artificielle par le biais de plusieurs programmes. Ils sont ainsi programmés 8 millions d'euros par an pour les projets innovants et techniques, s'ajoutant à cela 10 millions d'euros d'aide à la production. Pourtant, la montée en flèche de cette technologie inquiète et pour cause, elle met en danger un grand nombre de métiers et porte des atteintes graves et récurrentes aux droits d'auteur. Dans ses investissements permettant le développement de l'intelligence artificielle, le CNC exige-t-il des garanties quant au respect du droit d'auteur? Si oui, quelles sont ces garanties et comment les données sont-elles recensées? Je vous remercie. Frédéric Meunier pour Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je souhaitais vous interroger quant à l'avenir de la création cinématographique, notamment avec les décors virtuels qui sont de plus en plus utilisés. En effet, cette technique consiste en un mur d'écran LED sur lequel défilent des images filmées au préalable. Elle permet notamment des tournages sans contrainte horaire ou météorologique, ce que redoutent le plus les réalisateurs. Les décors virtuels ne sont qu'une technologie parmi d'autres qui vont radicalement changer la façon de faire du cinéma. Je souhaitais savoir si les réalisateurs français avaient également recours à cette technique et pour vous, quel est le futur envisagé pour la création cinématographique? Parce que la création cinématographique, c'est aussi nos jeunes. Et il y a aujourd'hui dans les lycées des filières de formation ou d'initiation cinématographique pour les jeunes. J'ai visité il y a quelque temps le lycée d'Arsonval à Brive-la-Gaillarde qui a mis en place non seulement un studio d'enregistrement et du matériel de montage. Alors, est-ce que vous seriez intéressé pour financer ou accompagner ces jeunes dans ce cadre de création cinématographique? Je vous remercie. Merci. Maxime Minot pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, je vais revenir effectivement sur la fréquentation de nos salles. Nous avons été nombreux à dire qu'il y avait effectivement de plus en plus d'entrées. Pourtant, selon une étude de l'IFOP, certaines personnes, depuis qu'elles sont abonnées à une offre de vidéo à la demande, 29
12% de ces personnes interrogées déclarent aller moins souvent au cinéma et 12% ne plus y aller du tout. Ce changement d'habitude a aussi bouleversé la création cinématographique, nous avons été nombreux à le dire, puisque la plupart de ces plateformes, qui sont maintenant les premiers investisseurs dans le domaine, concentrent leurs investissements dans les blockbusters et les algorithmes proposés ne mettent pas en valeur les films dits d'auteur, comme le disait ma collègue précédemment. Quel est donc le risque, selon vous, pour la création et la richesse cinématographique de cette toute-puissance de ces plateformes? Et les films d'auteur sont une véritable richesse du cinéma français. Et comment pensez-vous pouvoir contribuer à les mettre davantage en avant? Je vous remercie. Merci. Alexandre Portier pour Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Alors que la France est le premier producteur de films en Europe, elle ne possède que 55 000 m² de plateau contre 300 000, par exemple, en Grande-Bretagne. Pour combler le retard, le gouvernement a annoncé en début d'année qu'il injecterait 350 millions dans les studios et organismes de formation dans le cadre du plan France 2030. Baptisé la Grande Fabrique de l'Image, ce projet est mis en œuvre par le CNC et la Caisse des dépôts. J'aurais souhaité avoir votre avis sur le dimensionnement de ce plan et aussi éventuellement des informations sur son avancement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors là, c'est qui souhaite répondre, Monsieur Enrard déjà? Vous commencez et après, Monsieur Jolivet après. Je vais reprendre les questions dans l'ordre inverse pour changer un petit peu. France 2030, donc effectivement, l'idée de passer de 55 000 à 130 000 m² de studios, et non seulement de soutenir les studios de tournage, mais également, et ça répond aussi à une autre question, les studios de tournage numériques. Hein, donc, puisque l'idée est bien entendu que la maîtrise de ces outils soit parfaitement à disposition des professionnels français. Il y a 11 projets de studios de tournage retenus, 23 projets de studios de tournage numérique. On en est à un stade où les projets lauréats ont été retenus, la décision leur a été notifiée, et nous sommes simplement en train d'ajuster le montant exact du soutien qui va leur être attribué, au vu évidemment du contenu du projet et au vu d'autre part des contraintes européennes en matière d'aide d'État. Hein. Puisqu'en réalité, le régime d'aide d'État applicable varie selon la nature des dépenses, c'est-à-dire que les projets qui mobilisent beaucoup de dépenses en matière d'immobilier, on ne peut pas les aider de la même façon que ceux qui dépensent en matériel, etc., etc. Donc c'est un travail de dentelle qui devrait être achevé d'ici la fin de l'année. Donc d'ici la fin de l'année, les lauréats auront leur enveloppe exacte. Et donc, comme vous avez pu le noter, en réalité, c'est un projet qui, a vocation à être exécuté rapidement. Donc évidemment d'ici 2030, mais en réalité beaucoup plus tôt, puisque la plupart de ces projets mettront 1 à 3 ans avant d'être définitivement exécutés. L'éducation artistique, les lycées, alors ça c'est une priorité du CNC. Donc c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans notre action. Simplement, il est essentiel de garder le contact avec le terrain, et il s'agit donc de politiques que nous menons en partenariat avec les régions. Et donc ces régions, elles sont liées avec le CNC par des conventions triennales, qui elles-mêmes font l'objet d'un avenant chaque année. Et donc, avec le président du CNC, l'an passé, nous avons fait le tour de l'ensemble des exécutifs régionaux pour essayer de les sensibiliser à la nécessité, justement, de mettre encore davantage d'accent sur l'éducation artistique et culturelle, et d'ailleurs sur la médiation dans les salles de cinéma, de façon à permettre d'encourager le retour du public en salle, notamment des plus jeunes. C'est une action, enfin, le renforcement de cette action, il est un petit peu à géométrie variable en fonction de la mobilisation des régions en face de nous, puisque évidemment on peut pas faire ça tout seul, mais en tout cas la détermination elle est tout à fait forte. Voilà. Le respect du droit d'auteur, comme l'avait évoqué, je crois, Pascal Rogard dans son intervention, au moment où nous avons transposé la directive SMA, qui prévoyait donc des obligations d'investissement à l'égard des plateformes. Et donc l'arrivée dans notre écosystème de diffuseurs qui ont, on va dire, des pratiques contractuelles, je veux dire, un petit peu décalées par rapport à ce qui se fait en France. Nous avons pris toute une série de dispositions pour que, en réalité, cet afflux de financement ne se fasse pas au détriment des droits que les auteurs ou les producteurs, d'ailleurs, les producteurs délégués, ont sur leurs œuvres.
Et donc, nous avons posé le principe, dans le règlement général des aides du CNC, qu'aucune aide à la production ne peut être obtenue si le contrat passé par le producteur avec l'auteur ne respecte pas les fondamentaux du droit d'auteur à la française. Et de façon à décliner cette obligation de façon plus aisée, les organisations professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel ont mis en place une sorte de contrat type, c'est-à-dire un nombre minimal de clauses, à la fois pour défendre les droits patrimoniaux et les droits moraux des auteurs, qu'on doit retrouver nécessairement dans les contrats qui sont passés pour ces productions qui sont destinées aux plateformes, mais ça vaut évidemment pour l'ensemble des productions. Alors, la surexposition des films, la polarisation de la fréquentation, alors, pardon d'y revenir, mais en réalité, ça n'est pas avéré dans la longue durée. C'est un sujet auquel on reste attentif, je dirais, en permanence, mais on est très loin de la matérialisation des menaces qui ont été évoquées lors de Cannes. Et sur la conditionnalité des aides de façon plus générale, donc Madame la députée Calvez a évoqué déjà quelque chose qu'on a mis en place et sur lequel le CNC a été tout à fait pionnier, c'est-à-dire la conditionnalité des aides à la production au respect de certaines obligations mises à la charge des producteurs pour prévenir les violences sexistes et sexuelles, et notamment sur les lieux de tournage, avec l'obligation pour les responsables légaux de ces entreprises de suivre des formations au CNC, etc. etc. Donc l'industrie, de ce point de vue-là, parce qu'évidemment on fait ça la main dans la main avec la filière, a été tout à fait exemplaire. La parité homme-femme, vous avez évoqué le bonus produit, le bonus parité. Aujourd'hui, alors évidemment, je veux dire, en flux, les œuvres réalisées par des hommes restent majoritaire, mais si on s'attache uniquement au premier film, c'est-à-dire en réalité à La Gare de Montante, on aboutit à une égalité entre hommes et femmes pour les premiers films chaque année. Et sur la totalité du flux, effectivement, des films d'initiative française en 2022, on était à 33% de films de femmes, donc en augmentation constante, puisque si je ne m'abuse, il y a 3 ans, on devait être autour de 25%. Voilà. Donc la conditionnalité de façon générale, parce que les aides publiques, bah, ça suppose une contrepartie. On va l'étendre à d'autres exigences transversales portées par le gouvernement, notamment la transformation écologique, puisque depuis le début de l'année, les aides à la production sont conditionnées à l'obligation de déposer, à l'appui du dossier de demande de soutien, un bilan carbone de l'œuvre qu'il s'agit de faire soutenir. Alors, on n'en est pas encore à moduler le montant des aides en fonction du bilan carbone de l'œuvre, mais en tout cas, on s'est donné les moyens, en faisant remonter l'information sur chacune des œuvres, éventuellement de prendre des dispositions complémentaires le moment venu. Voilà. Merci, Monsieur Jolivet. Oui, rapidement, pour répondre, il y a une inquiétude de la part de la représentante du Front National pour l'avenir du cinéma français. Et vous compariez à l'avenir des cinématographies européennes, le cinéma espagnol et italien ont disparu quand ils sont devenus ultralibéraux. Ce sont le système d'aide qui fait que nous sommes encore le premier cinéma d'Europe. Dès que ces systèmes sont passés à la droite ou à l'extrême droite, ils ont supprimé les aides. Donc globalement, le ministère de la Culture a baissé les armes. Résultat, nous avons ce très beau cinéma italien qui n'est devenu que l'ombre de lui-même, et pareil pour l'Espagne. Donc la meilleure garantie de la vie, de la survie de notre beau cinéma, ce sont la structure que sont le CNC et ce très beau modèle français. Première réponse. Deuxièmement, l'intelligence artificielle. Évidemment, vous avez raison, c'est un nouveau challenge. C'est ce que disait, je crois, Marc tout à l'heure. On a survécu, vous savez, on a survécu à l'arrivée des télés, on s'est dit le cinéma est mort. Le cinéma est mort, il y a les télés, maintenant c'est fini. Ah, ben on a mis des obligations aux chaînes de télévision, puis le cinéma a survécu. Puis après, il y a eu Canal+, des télévisions payantes. Alors là, on s'est dit, là, le cinéma, il est mort. Et puis, on a trouvé des accords avec Canal+, et Canal+, est devenu un partenaire du financement du cinéma. Bon, là, après, nous avons eu donc l'arrivée des plateformes. Ça y est, on a des accords avec les plateformes. Et là, on a un tsunami, ne nous le cachons pas, qui s'appelle l'intelligence artificielle. C'est vrai que la grève très courageuse des scénaristes, des acteurs, des auteurs américains ont ouvert la voie. J'ai découvert ce matin les solutions qu'ils préconisaient. Pour nous, évidemment, derrière toute œuvre, il y a un auteur.
Il ne peut pas y avoir une intelligence artificielle uniquement. Ça va nous faciliter la vie, quand je disais le prix pour lequel j'ai fait mon film. Si je peux faire un film mieux avec 5 figurants que je peux multiplier à l'infini, je serais content. Parce qu'au niveau de la compétitivité de mon film, bah, je serais plus spectaculaire et tant mieux. Voilà, c'est à nous vraiment d'inventer les réponses à l'intelligence artificielle d'une façon que ce soit un outil, mais que ça garde la place de l'auteur au centre. La dernière remarque que je voulais faire, c'était par rapport... Enfin, j'en ai deux encore, très rapide. Oui, les studios anglais. Il est bien normal que les studios anglais soient très grands et très forts parce qu'ils accueillent les Américains. Il n'y a plus de cinéma anglais, donc si la taille des studios était proportionnelle à la capacité d'un pays à faire des grands films, ça se saurait. Les Anglais ont beaucoup de grands studios parce que c'est là que se tournent énormément de films américains, avec en plus un dossier que je viens de découvrir qui est de faire passer ces films-là comme des créations européennes parce que ce serait dans des studios anglais, alors qu'en fait ce sont des productions américaines. La dernière remarque, c'est sur les écoles dans lesquelles le cinéma doit prendre une place. Nous avons demandé, lors de son premier déjeuner avec nous, à la ministre de la Culture, nous avons proposé un certain nombre de pistes. Moi, je suis extrêmement demandeur depuis des années à ce qu'il y ait vraiment un rendez-vous entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. Je crois que là, dans l'éducation à l'image, dans l'adaptation à l'image de toutes ces nouvelles générations qui sont, je le vois avec ma fille qui a 24 ans, mes petits-enfants, voilà, l'image est partout. Je vois ma fille, quand elle se brosse les dents, elle regarde une série en même temps. Heureusement, elle lit des livres le soir avant de s'endormir, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a un afflux d'images absolument incroyables, absolument vertigineux, et je pense que là, il y a certainement des choses à inventer entre ministère de l'Éducation et ministère de la Culture pour que les nouvelles générations appréhendent l'image d'une façon plus pertinente, voilà, et plus amusante et plus joyeuse. Merci, monsieur Regard. Non, d'abord, j'aurais remercié Pierre Jolivet de son appel à une augmentation de la rémunération de l'écriture et des auteurs. Et je pense que Marc Missonnier sera sensible, parce que pour le moment, les seules négociations qui sont complètement bloquées sont celles sur le cinéma. On a abouti grâce au CNC sur le documentaire, sur l'animation et sur la fiction. Et sur l'animation, c'était la première fois qu'un accord professionnel était conclu. Donc, je ne voudrais pas que le cinéma, soit la production, soit le parent pauvre de la régulation des contrats d'auteur. Alors, je vais quand même vous donner des chiffres sur les Américains. C'est très intéressant parce qu'ils sont assez transparents, ils ont tout publié. Les guildes américaines demandaient une augmentation globale annuelle de 429 millions de dollars. Les producteurs leur en proposaient 86 millions de dollars. Final, 233 millions de dollars d'augmentation de l'ensemble des revenus des auteurs, à la fois des revenus initiaux et des revenus complémentaires tels que c'est calculé par la guilde. Sur l'intelligence artificielle, alors moi j'ai passé mon temps à faire l'éloge du gouvernement, là je ne peux pas le faire. Je le dis clairement parce que ce qui a été fait aux États-Unis est formidable, il y a des règles qui ont été adoptées. En ce moment, il y a des discussions à Bruxelles sur l'introduction d'une disposition dans une directive ou un règlement européen. Et la position de la France est de plus défendre l'innovation que le droit d'auteur. Et d'ailleurs, une lettre a été adressée par l'ensemble des organisations professionnelles, alors pas seulement du cinéma, mais aussi de l'audiovisuel, de la musique. Il y a aussi, je pense, des écrivains qui sont concernés, à la Première ministre pour que la France, dans le cadre de sa tradition classique du défense du droit d'auteur, défendre cette protection. Alors, on n'est pas encore au bout, ça va être très long, c'est compliqué, mais ce qui a été négocié aux États-Unis entre les guildes américaines de scénaristes et les producteurs, qui sont quand même les plus puissants au monde, est quand même un chemin qu'on doit suivre. Ça veut dire clairement que protéger le droit d'auteur, c'est pas bloquer l'innovation. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur Missonnier. Oui, très rapidement. Répondre juste à la question qui était une préoccupation sur le fait que les abonnés des plateformes ne regardaient que les blockbusters et que du coup, quelle pourrait être la place. Je me souviens plus très bien, pardon, qui avait posé cette question. Que les abonnés de ces plateformes ne, ne, ne,
ne verraient pas spontanément des films d'auteurs français. Voilà. Je pense que ce qu'on a mis en place avec ces obligations de financement des plateformes sur le cinéma français va produire ses effets. C'est-à-dire que ces plateformes ont préacheté, ont investi dans un certain nombre de films. Ces films sont en train de sortir en salle et vont être donc à terme diffusés sur les plateformes. Et ce qu'on espère, c'est que les abonnés de ces plateformes, qui sont des spectateurs comme les autres, découvrent certains de ces films et les aiment, et que du coup, bah, finalement, il y a une, comment dirais-je, une, j'ose pas dire une éducation, parce que c'est pas très sympa de dire ça, mais en tout cas, qu'il y ait une, voilà, une curiosité, une sensibilité, une sensibilisation de ces abonnés à ces films-là, et que du coup, ça change effectivement les algorithmes de recommandation de ces plateformes et qu'ils finissent par trouver finalement leur intérêt à la programmation et à la diffusion de ces œuvres. Voilà. Et sur l'accord avec les auteurs, j'ai été élu cet été président du syndicat. Cher Pascal, je vais me dépêcher d'essayer d'y arriver. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réponses que certains voudraient apporter ? Oui, monsieur Alduy. Je crois que le député est parti, mais quand les films ne marchent pas en salle, puisqu'on se focalise toujours sur la salle, les diffusions suivantes peuvent vraiment leur donner un succès inespéré. Canal+ a de très bons scores avec des films qui n'ont pas forcément marché en salle au sens où on l'entend. Sur France Télévisions, donc à la toute fin de la chronologie des médias, on a des succès quand on diffuse Bac Nord, qui avait été un succès en salle il y a 2 ans, mais récemment on a diffusé Haute Couture, qui est un film qui a été abîmé par le Covid. Il a fait moins de 200 000 entrées. On a fait 3,5 millions de téléspectateurs un soir sur France 2. On diffuse plus du cinéma français que du cinéma américain. Donc on le voit très bien que la corrélation entre des entrées en salle déceptives, peut-être vues de l'extérieur à chaud, et la carrière future de ces films-là plus tard à la télévision, qu'elle soit publique ou privée, payante ou gratuite, n'existe plus. Et c'est plutôt rassurant, je pense, pour le système français dans son ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais vous ajouter. Merci beaucoup. Peut-être pour répondre à monsieur Regard, vous avez vu peut-être le projet de loi de finances sur la culture qui est sorti. Il y a tout un champ sur l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, référence, où là, il y a bien un travail qui est fait pour protéger les droits d'auteur et protéger vraiment la création à l'aube de, enfin l'aube même déjà l'engagement de l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment cette volonté, mais on pourra le relire ensemble plus précisément. Et désolé, mais là je parlais de discussion à Bruxelles sur une européenne, sur une directive. En tout cas, en France, mais c'est lié, hein, parce qu'il y a l'Intelligence Artificielle Act, justement, à Bruxelles, qui va être en lien et en discussion, notamment avec la France. En tout cas, c'est un enjeu très important auquel nous avons conscience. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges qui ont été francs et qui ont permis d'éclairer la commission ici présente. Merci pour vos alertes, merci pour vos craintes. Merci aussi pour avoir nommé les fragilités, les enjeux, mais aussi les réussites et les succès. Et bravo pour vos engagements pour la création cinématographique. Et j'espère que par nos échanges, vous aurez compris que nous défendons aussi la création cinématographique, que nous sommes à vos côtés, que nous vous soutenons et que nous vous défendons. Et merci et longue vie à la création. Merci à vous.